Ben voilà, bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. On va reprendre tranquille open RP pause, le petit Half-Life. Alors je devrais diffuser au moins jusqu'à 17h, peut-être plus, on verra en fonction si FunFan se sent mieux ou pas. On improvisera et on verra. Voilà, mais là je devrais être quasiment 3 heures avec vous sur du Half-Life. Attendez, je remate si mon nom j'ai un mauvais cadrage de. Ouais, j'ai un mauvais cadrage de caméra. C'est pas cool. Hop là. Voilà, là c'est mieux. Je crois qu'on voit pas très bien ma tronche. Donc je peux à nouveau ressortir la. Là. Ah bah oui, bonjour tout le monde, attendez, attendez. Je suis en train de. Voilà. Au moins vous devez voir à peu près convenablement ma tronche. Bonjour Twinsen. Pense à mettre le strafe. Alors je ne sais pas ce que c'est le strafe. Je suis désolé, il va falloir que tu me donnes la définition. Je ne sais pas ce que c'est le strafe. Qu'est-ce que le strafe? This is the question. Ah la vache, il fait chaud, c'est éprouvant. Alors, on avait trucidé la bestiole. Le déplacement de gauche à droite, façon pas latérale. Ah, ah. Ouais, je suis pas super chaud, c'est rare quand je fais le pas latéral. Mais je vois ce que tu sous-entends, c'est-à-dire que stratégiquement dans ce que je vais affronter, ça va être crescendo plus balèze et ça va être pratique. Alors. Oh la vache! Ah! Ça commence très fort! Je suis mort comme un caca sur le rebord du. Ah. Le rebord du précipice. Allez, c'est parti. Encore. Putain, il faut que je tombe vraiment au centre du truc et j'y arrive pas. Ridicule. Ah mince, vous voyez, mais. Non, vous voyez pas. Non, non, je capture le. Je sais plus, à vrai dire, si. Non, non, vous devrez pas voir mes notifications Discord. Enfin, au pire, vous me le dites, mais. Merde, comment je fais pour tomber au milieu? Puis la vache, il y a une bestiole dedans, on le voit. Bah, là, j'arrive trop vite. J'arrive trop vite. Non, il faut que je fasse un saut maîtrisé de. Ouais, mais là, je maîtrise rien du tout, en fait. Bah merde alors! Je vais me cracher 50 fois à la suite. Voilà. Ah! Non, putain, j'ai cru. C'est bizarre, ce moment-là est censé être plus naturel que ça. Alors, il y a quoi ici? Vraiment étrange comme. C'est radioactif, bon. Oh merde. Non, j'arrive trop vite. Oh, c'est ballot quand même comme chute. Faudrait que j'avance et que je. Ah, non plus. Mais je vais lui reprendre à je sais pas combien de fois. Mais. Oh, c'est débile. C'est débile. Non, je peux même pas sauter. En fait, Gordon Freeman, il est happé par la descente. Il se casse la figure, quoi. Tac. Non. Pff, double.
Attends, comment je fais habituellement? Faut que j'avance doucement? Comme ça? Ah oui. D'accord, ok. Il fallait faire ralenti de... Ok. Alors là, il y a du radioactif. Oh, magnum. J'ai récupéré du magnum. Ah bah le mec, je pense bien qu'il est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, la vache, cette créature, toi. Et après, je mets où? Merde, oxygène, je suis déjà à court. Bon bah, je vais crever. Laisse tomber. Bonjour, FunFan. Ouais, c'est bien que t'ailles un petit peu mieux là, que tu récupères un peu. C'est cool. Et tu nous diras en fonction des heures qui passent comment tu te sens. Attends, je suis débile. Ah, il faut peut-être que je bousille à la. Non. Ah, pas mal! Psychédélique. Attends, faut que je bousille à. J'ai pas capté là. Par où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, c'est par là. Oh la vache. Bonjour Adjay. Ouais, t'as la voix encore faible. Ouais. Putain, je sais pas si c'est votre cas, mais moi je crève déjà de chaud. Là d'avoir revêtu publiquement une chemise pour me présenter à vous. Attends, je vais éteindre les lumières. Mais un surtout le couche. Oh. Oula. Oula. Je suis censé aller dans ce truc putride? Non. Tuyau. Ah merde, j'ai pris le truc à l'envers. Ah, la mauvaise face de l'échelle. Bah, j'aurais été tenté de monter sur. Ah bah oui, tuyau, il est là, je suis bête. Oh, bonjour, Shellman! Je viens à peine d'arriver, comment tu sais que je suis déjà là? Ah ah ah! Il t'a détecté avec le système Twitch là quand tu regardes la liste des utilisateurs. Ah non, il faut que j'aille là, ok. Je comprenais plus. Là, ça fait peur comme complexe quand même, Black Mesa, parce que. Les mètres cubes de merde entre le truc biohazard et enfin, le bouillon de culture et ce qui est nucléaire. Vraiment un cauchemar. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas ici. Je ne la sens pas. Hop, 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 hop. Ah! Ok. Ah, faut que je maintienne. Ah oui, d'accord, ok. Je viens de me générer mon. Ah, très drôle. Très drôle, et j'ai merdé. Oh, il y a un truc. Ah, il y a des. Il y a des tonneaux qui passent par là. Ah oui, c'est le truc de sortie du. On va crever, hein, c'est pas grave, mais c'est pour s'amuser à regarder. Exploration totale au niveau. Ah oui, ils sortent par là, les machins. Oh la vache. Et on se retrouve là, d'accord. Et en fait, ils font bêtement le tour. Ok. Je viens d'apprendre un truc.
Merde, j'ai pas. Je me fais mal et puis j'ai pas. J'ai pas ouvert la. Voilà. Refermer la tuyauterie. Parce que j'essaye de vous lire un petit peu dans le chat en même temps sans vous perdre. Hop là, il fallait faire tout bêtement un saut. Il fallait être un peu acrobatique. Oh, cette tuyauterie. Hein? Ah, donc on voit mes notifications Discord, ce qui est pas, ce qui est pas normal. Alors attendez. Je sais plus comment on fait. Christella m'avait dit. Bah oui, là on les voit encore. Oui, c'est chiant. Merdoum. Le mince ouais, mais. Alors attendez, 30 secondes, je vais désactiver ma notification. Notification. Oui, non, d'accord, mais. Attendez. Mode streamer. Désactiver les notifications, voilà, je viens de le voir. Ok. D'accord, là normalement vous devriez plus rien voir. Voilà. Oui, c'est. J'affichais à mon tort en même temps que on a la captation du jeu. Il y avait en surimpression mes notifications que j'avais de Discord. Là, je viens de les supprimer, je viens de comprendre la subtilité dont m'avait fait part Christella hier. Merci à elle. Oh, l'effet de surprise. Ça c'est bien fait. C'est vachement bien fait. Tac, lui là on est bien. Je peux poser des mines au mur. Ou au sol même, je crois que ça peut se mettre à la verticale également. Comment qu'il prend soin du truc? De la lentille. Non, c'est vrai que mon souci c'est que je pensais à être à plus avoir trop de mines. Les munitions font défaut là. Bonjour Frobos. Oui, non, mais pas de soucis, tu fais comme tu le sens. J'espère que tout va bien. Comme j'aime le répéter, chacun fait comme il lui plaît. Ouais, c'est quel mot là? Il n'y a pas les militaires encore. Allumage. Ah bah voilà, fallait que j'en parle. Ah merde, c'est un boss et j'ai quasiment plus de. Merde, là c'est muré, je suis mort. Ouais, il va m'allumer. Ouais, c'était sûr. Il m'attaque joyeusement en lance-flamme. Ah oui, c'est pour pouvoir faire le. Non, mais ouais, il m'a. Il m'a. Il m'a trucidé. Alors, power générateur. Bien joué. Oh merde. Okay. Attends, je verrai si je pourrais repasser après éventuellement par la ligne. Alors, contrôle de la piste. Attention. Merde, il m'a fait mal. Ouf, il a dégusté la chevrotine, lui. Ah bah non! Voilà, ça craint du boulin. Appuyez, foncez. Ah non, pas au magnum, je vais pas gâcher le magnum. Il faudra pas ce que je garde pour. Qu'on appelle ça pour le boss. Hop là, enfin j'y aille. C'est quoi ça? Ah, c'est l'autre partie du pouvoir générateur. Merde, non.
ça l'a pas tué pour autant. La vache, ils sont pas yes. Je reviens au sac pour un fusil à pépon. Attention à la flotte, parce que s'il y a une flotte, il y a un bonjour. J'ai un truc intéressant. Oh merde, oh ça a pas marché. Je pensais qu'il y avait l'illustré à chevrotine, mais pas du tout. Il y a su déception. Je pense qu'il y a rien d'autre. Oula, chargement. Oh merde. Oh merde. Oh la violence. Oh oh. Oh la violence de l'explosion. Je te dérange un petit peu. Non mais il n'y a pas de souci, n'hésite pas, Nash. Il y aurait la possibilité de rejoindre ton serveur Minecraft. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Est-ce que tu connais ton identifiant Minecraft, Nash? Il faudrait que tu me l'envoies en message privé, que ce soit Discord ou... il faut que je t'enregistre en... Comment ça s'appelle? En liste blanche. Parce que je contrôle les entrées. Et j'ai mis une liste blanche. Et sous 24 heures, je te donnerai l'accès à mon serveur, il n'y a aucun souci. Il faut juste que tu me donnes ton identifiant Minecraft... sous quel nom t'apparaît en fait dans le jeu. Et après je te redonnerai les instructions, l'adresse pour que tu puisses te connecter. Voilà, ils sont éliminés d'eux-mêmes. Le truc un peu violent mais efficace. Ah, il y a une valve là. C'est gosse. Ah non. Et ça à mon avis on peut pas mourir. Ah oui, merci FemFan. Pour le rappel des liens. Ah si, ça s'ouvre. D'accord. Donc comme tu veux, bien que je t'avoue que je suis plus à l'aise avec les MP Discord. Mais comme tu le sens, je verrai les deux, Nash. Je verrai les deux. Alors, Hazardous West. Ah, bouillon de culture. Nucléaire. Bouillon de culture nucléaire. C'est quoi ça? Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de copies. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Putain, la vache, ça a baissé le PC. C'est ça. Tu maîtrises bien les outils, FemFan. C'est haut. Il y a un truc qui est tombé, j'ai pas compris quoi. Merde. Ah merde, il y a une terre. Ah, je suis trop loin pour le pépon. Ah, shit. Oula. Salopard. Ah bah, il s'est fait dégommer. Ah non. Il est où? Ça y est, je l'ai eu. Oh la vache, il y a déjà la cavalcade. Radio des militaires, ouais, ils se sont posés. Tiens, tiens. Ah oui, c'est vrai, il y a une arbalète dans Half-Life. Message de FemFan 1992, retourne en arrière pour te soigner. T'as pas tort. T'as pas tort, t'as pas tort. Effectivement, stratégiquement parlant. Oula, attends, je tape du métal là. Hein? J'ai cru voir un verre à pied. Non, j'ai dû rêver. Dans les débris. Oui, à l'étage en dessous. Oui, il y avait un truc. Non, là. Ah oui. Yep. Oh la vache, le générateur. Attends, je vais recharger mes armes parce que... Mince. Oh! Oula, sauvegarde sur chargement, il a bip. Comment ça, bip bip bip? Qui c'est qui a fait bip bip bip? Oh, bon. Coucou! Ta vache, il m'a presque tué l'autre. Oh,
Bon, je crois qu'ils vont m'abattre comme un... Ah merde, c'est vrai qu'il y a un caractère en bas, c'est vrai. J'avais oublié cette subtilité. Je sais pas où est-ce qu'il est. Passer par là, je peux me mettre. Voilà, il y en a du monde. Mais non, non. Ah, trop violent. Trop violent. Trop de violence. C'est pas la bonne arme. Voilà. Je sais pas si je touche. Ah si, quand même. C'est chaud. Le passage, il est assez... Mais pour en revenir à Minecraft, il est possible que j'y joue plein sur mon antenne. Putain, il m'a bien saucé. Là, je joue trop là, je joue trop mal. Je joue trop mal. L'autre il va chercher à me cueillir. Donc quand tu connais dans quelle ordre ils arrivent, forcément ça aide. Merde, je crois que c'était de la munition. Mais... Oh. C'était des boyaux. Vache. Je sais pas pourquoi là m'a pas fonctionné. J'étais peut-être trop proche du mur, j'ai pas compris. Vache la violence. Alors la combinaison d'accord, mais je m'emmerde à avoir de la santé classique quoi. Wouah, dur. Va être complexe. Ah bah. Je suis en partie exaucé. Oula, oula là, je vais remonter. C'est un poil piégé. Ça y est, ils ont tout fait péter. Merde, le bouton, il est, ah, il est là le bouton. Oui, ça y est, la bestiole a tout fait exploser. Ouf, ouf, ouf. Voilà, nickel. Elles se sont auto-éliminées, c'est parfait, ça me va très bien. Cochonnerie. La violence. Bon réflexe. J'ai bien aimé mon bon réflexe. Putain la vache, c'est grand par ici. Ils peuvent débouler de n'importe où. Attends, générateur, ouais. Il faut qu'on y aille au générateur. Alors. Oh, j'aime pas ce genre d'escalier, parce que ça fait flipper. C'est très bien fait, ça fait bien flipper. Tu mets le pied là où il faut pas, ça se finit mal. Voilà, les boxons au niveau du générateur. Tu peux être certain qu'il y a des crabes de tête dans le... Ah. Non. Non.
temps, c'est tout. Unité 1, unité... Ah, j'ai qu'une unité. D'accord. Ah, j'ai pas le droit. Merde, il faut que j'arme un truc ailleurs. Il faut que j'arme un truc ailleurs. Ah, là, il y a de l'eau. Il faut que je vide de l'eau. Il y a un truc qui va pas. Ça se fait pas sur le côté? Non. Non, non, non. Il y a un pépin avec de la flotte dans l'un des... C'est quoi qu'il disait? Maintenance, ouais, air de maintenance, oui, bah c'est ça. Attends, je vais un peu vite, j'espère que je vous donne pas trop le tournis. Oh là, il y a même des petits poissons, je sais pas quoi. Ah. Ah, il y a la caisse qui pose problème. Voilà, là ça a plus. Du coup, on va pouvoir redescendre. Et le prospect va trouver. Alors, ça peut pas être idiot, mais ça m'aide à être logique. Donc, j'ai dû libérer le truc de puissance. Attention aux effets électriques. Oh non, ça va, je suis passé au travers. Voilà. Oui. J'avoue, la plaine couche. Ah oui, c'est la violence. Bon, puissance rétablie. Je vais garder le fusil à pompe en cas de mauvaise surprise. J'avais passé par là-bas. Ah oui, non, en fait, d'accord. Ah oui, on est au-dessus du... Ok. Je finis par comprendre. D'un point de vue architectural, ça se tient. Il n'y a rien dans la flotte. Merde, oh, j'ai mis trop de temps à réagir, là. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Faux espoir. Il n'y a que puits. J'ai du monde dessus ou... Non, c'est vrai. Je vais pouvoir monter comme un prince. Ça va, pas de comité d'accueil. Ah si, comité d'accueil. J'aimerais ne pas. Oh la vache, ils sont nombreux. Oh là 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 là. Salopard. Alors attends, par là j'y suis pas allé. Militaire à la noix. Fini transmission radio. Fini transmission radio. Oh, oh merde. Oh. Il fallait que ça arrive. À force de trop saboter de trucs. Oh merde. Voilà, ça c'est envoyé. J'adore la logique des militaires qui s'envoient le signal. Attention, il y a du grabuge qui arrive.
Franchement, ça fait. Ça fait peur. À ce niveau-là, c'est très agréable. Et hop, le jeu il saute. Ouais, j'en passe par là après. Oh merde. C'est le pas. Oh, oh, oh. Oh. Oula. Voilà. Au moins là c'est fait. Oh, il y a des trucs dans les caisses, c'est pas possible. J'ai pas posé le chemin. Là, il y a moins de coups. Ah oui, bien. Ah oui, très bien. Et là, on n'y a pas les copies. Ah si, si, il y avait des munitions. Si, 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 ça valait le coup de les péter. Sans déconner. Ouch. Attention, faut que je fasse gaffe quand on est KVM de fou là. Parce que... Ah, c'est. Ok, je croyais que c'était la suite, mais non. Mais non, mais non. Oui, d'ailleurs, les grenades, je pourrais m'en. Alors, attends, je suis un abruti. Faut que je revienne sur mes pas, c'est ça? Ah, bah oui, là où il y a le boss. Mais oui, je vais aller sur le truc de. Voie ferrée. Voilà, j'ai fini. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Hop là. Oh non. Oula. Ah oui, le track control comme j'ai aussi. Track control, tu peux pas oublier qu'on a un boss à scotiner là. Ils ont plus condamné, ils sont chiants. Merde! Bah! Comment j'ai fait mon affaire? J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Donc attendez, faut que j'en revienne sur mes pas. Ah oui, à un moment, il va y avoir un... Je vais prendre l'arme là. Il va y en avoir un qui va me les... Hein, voilà. Les munitions. Oh, faut que je me retape les échelles. Go, go, gadget aux échelles. Voilà. Alors, pourquoi il y a danger là, je ne sais pas. Voilà, là j'ai bien fait de boulot là. Mmh. Mmh. C'est foutu pour moi. Oh, je savais pas que t'étais vivant. Fichez le corps. Oh, le malheureux. Mmh.
Oh merde! Il peut m'atteindre, ce salopard. Oh la vache! Attends voir. Oui, tu m'étonnes, il est pas content. Alors. Cadeau! Il va pas manger la bouche. Oh bah je vais l'avoir comme ça! Ah, cadeau Anthony! Putain, j'ai mis. Je sais pas ce que tu répondais à AJ, du coup je comprends pas. Et voilà! Nickel! Commence à faire un boss facilement. Voilà! Bah c'est bien, là au moins on avance vite. Oh merde! Non, c'était condamné là, donc pouvoir générateur. Non, faut que j'y retourne. Il faut que je fasse une cascade à sauter sur. Bah oui, ça se passe au-dessus en fait. Là où il y a le gaz qui a sauté en fait. Oh merde. Ou je saute par là. Que si je saute par là, je vais me faire mal, non? Oh, peut-être pas. Non, ça va. Ça va, sans conséquence. Alors, il y avait quoi là-dedans? Je suis pas allé. Ah si, c'est vrai, il y a le truc du coup. On est d'accord, je peux pas aller. Ah bah non, si, c'est la ruine. Bah, c'est l'autre côté des gravats, bah oui. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, c'est là où on voit la cohérence du niveau. Dans sa conception, sinon ça aurait été trop facile. Mais attends, mais je peux me barrer par là? Oh! Oh, c'est des bobines Tesla! Pour le générateur, énorme. Ah, il y avait des trucs à récupérer, mais je peux plus maintenant. On est bien d'accord que si j'essaie de passer, je meurs. Pas. Ah. Ah non, je peux passer. Oh! Très bien. Oh bonjour Bob Marlock. J'espère que tu vas bien. Ah la puissance de la. J'avais même pas fait gaffe que j'avais pas fini de. Là. De faire le boulot. Ah bah j'ai bien fait de passer par là. Et bah dis donc. Là la puissance du coup. Wouyou. Ah, on va pouvoir faire chouchou le petit train. Est-ce que j'ai récolté ces munitions à lui? Non. Attention, le rail est électrique. Est-ce que je j'oublie rien? Non, je pense pas. Oui, là, j'ai rien trop en arrière. Oh, la scène célèbre dans Half-Life. Du train-train. Avec les militaires, ça va être un foutoir pas possible sur des kilomètres, ça va être trop bien. Oui, et... Ah, d'accord. Ah oui, j'ai mis tout doux. Non, tout doux, tout doux, tout doux. Ah, merde. Ah, il faut que je tourne le visage. Non, le village là. Ah merde. Ah merde. D'accord, j'ai fait une mauvaise manip. Oh, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. La bonne blague. La bonne blague. Eh oui. Que je puisse avancer le truc. Oh la farce.
comment parvenir à augmenter la durée de du titre. Et c'est malin, c'est malin. Donc c'est reparti pour un tour. Non, il me le refuse. Oh, il me le refuse parce que j'ai l'arrière de la truc mouche qui est. Oh là là, il faut aller à fond. Eh ben, on recommence. C'est cohérent. Je peux pas pester. C'est logique. Va être bien pointilleux. Voilà, merci. Allez, go. Non, 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 pas trop vite. J'aime pas qu'on s'en va trop vite. Ah oui, non, là, il faut. Effectivement, faut défoncer ça. Merci. Ah, re Christella. Oui, en gros, pour le programme de l'après-midi, alors par défaut, tel qu'on est parti, je diffuse du Half-Life jusqu'à 17h. Et à 17h, si Funfan se sent bien, il va prendre son antenne, je ferai relais. Et on se retrouvera à 20h chez Bastos pour du catch. Voilà, on verra. S'il se sent pas bien, je garde l'antenne de 17h à 20h. Et dans cette plage horaire-là, je changerai de jeu, je passerai sur. Sur Tomb Raider 4. Coucou. Freeman, un moment que je vous attends. Un des chercheurs m'a transmis un message pour vous. Il faut que vous empruntiez l'ancien système ferroviaire pour aller jusqu'à une sorte de fusée. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit et le gars était tellement pressé de partir qu'il ne m'a pas dit grand-chose. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a une équipe lambda quelque part qui pourrait mettre un peu d'ordre dans tout ça, à condition que le satellite à l'intérieur de la fusée soit mis en orbite. Les militaires ont annulé le tir, alors quand vous trouverez la fusée, vous devrez aller dans la salle de contrôle pour déclencher vous-même la procédure de lancement. Ah, et il n'a pas la délicatesse de m'activer le truc, quoi. C'est trop gentil. Ça, ça va te faire écraser. J'ai été touché, mais ça va aller. Oui, t'es sur un rail électrique, abruti. Fichons le camp d'ici. Ok, je vais m'assurer que la zone est sûre. Ah. Il va se faire écraser, on s'en fout. Ça va être trash. Adieu. Oh merde! Ah, moi aussi! Ah, ah cette mort! Ah c'est horrible! Excellent! Ah. Ah, l'autre abruti, il se met sur le rail électrifié! Je peux que le dégommer! Hein. Allez, pousse-toi de là! Ah merdoum, il y a les. Ah, il y a les cochonneries là de. Attendez, je vais me faire un petit flingue. Elle ne gère pas le plomb, les vilaines. Allez-y. Ouais, il y a de qualité. Oh, bonjour, Tixige. Oh vache, ça fait longtemps. Ça va bien, merci, et toi? Ouah, Tixige, qu'est-ce que tu deviens? Je me souvenais pas que c'était une partie immergée ici. Oula! Ah oui, j'ai le droit d'avancer. Oui, merci pour les clips, ouais. Oui, là, vous pouvez, là, c'est le genre de scène. Ne fais pas la délicatesse de l'ouvrir la barrière, et puis, une fois que tu l'as ouverte, il pourrait direct la refermer, ouais.
Eh, si j'arrivais à mettre un peu d'ordre dans le secteur, peut-être que je pourrais... L'arc électrique, je le sens pas, là. Non, ça va. Si je mets un peu d'ordre dans le secteur, je pourrais peut-être... trouver des choses intéressantes. Je me souviens de la partie aiguillage avec les militaires, mais ça, je m'en souvenais plus. On voit qu'il y a des trucs au-dessus. Alors ça va, j'ai remonté la pente, je travaille chez Kojima Production depuis 3 mois maintenant, c'est bien. Et le 13 août, je suis au Japon pour un travail sur place. GG à toi, Tixi, énorme. Message de FunFan 1992, Tixi, j'ai dit, Kava, j'ai remonté la pente. Je travaille chez Kojima Production depuis 3 mois maintenant et le 13 août, je suis au Japon pour travail sur place. Eh bien... Ah, ça va te changer les idées, c'est bien que tu exiges, c'est cool. Oh. Tu as déjà testé les... Non, oui, FunFan m'a parlé de Black Mesa, il l'a vu, et il y a même Petit Seb Live qui le fait depuis peu sur son antenne, mais non, j'ai pas vu et je le ferai bien plus tard. J'aime bien... ouais, faire avec le Sunshine, mais là, je suis en plus, j'ai un petit ordi et ça me va. Moi, ça me rappelle mon adolescence, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Alors... On va commencer à être un peu agité par ici. On va essayer de ne pas mettre le pied sur le rail électrifié. Il y a forcément du matos. Ou pas. Attends, le jeu il est chier s'il n'y a pas de... Non, c'est matos que j'avais déjà. Je suis déception. Bah, oh. Ce bug de... Ah non, c'est pas un bug, c'est moi qui me suis pris le pied dans le... Ah non, je m'en moque de ça. Non, c'est avancer avec le... Que je vais faire. Mais je vais tomber. Ouais, il est vraiment sympa. Bah, je le ferai dans le futur, dans quelques années. Dans l'axe ou ça passe à côté de moi le câble électrique? Non, il passe à côté de moi. C'est tout juste, mais ça passe. Alors, il y a un système d'aiguillage. Ah, je peux tourner. Ça fait un peu, vous savez, Hugo Délire. Merde, il est bestiole. Ah merde! Faut que je vire la pince. Ça y est, je l'ai eu la cochonnerie. Je vais devoir faire marche arrière. Voilà, repartir en avant. Voilà, on va souffrir un tour complet. Ouais, FunFan. What? Quoi? Qu'est-ce que quoi? Merde, il y a une machine militaire là. C'est un coup à se faire dégommer. Alors, oh la vache, les corridors. J'y vais pépère, hein. Je prends le temps d'analyser. Et essayer de pas me faire trop surprendre. Ouais. En même temps, ça me laisse le temps de vous lire. Ah, moi je déteste ce genre de passage. Ah ouais, alors, chacun dans ses goûts. Alors, moi j'aime beaucoup le passage là. Je trouve que le jeu est un peu sur des rails. Tu m'étonnes. Alors sur le côté, on va où? On va faire toutes les combinaisons de trajets. Hein. On peut
descendre dans la soupe biologique. Oh oh oh, il y a quelque chose d'intéressant ici. Faut que je débarque. Il y a un truc d'intéressant. C'était quoi ce cri? Oh merde! Il y a du chaud, il y a du froid apparemment. Last danger. Danger. Ah oui, c'est ok. On est au pied de la fusée. Cochonnerie. Ah la vache. Oh là là. C'est bon, c'est passé, il y en a plus. Dark. On voit quelque chose ou pas? Non. Oh là, avec la lampe torche, on voit rien. C'est dire la hauteur du bazar. Alors, ouais, rail shooter. Ouais, c'est vrai que ça fait l'effet rail shooter, effectivement. Dans ce chapitre, tu as les militaires, les aliens et les alliés qui se tapent tous dessus. Ouais, c'est très animé, exact. Passage par le Tixi, je me rappelle que j'avais plus travaillé avec les militaires des barques et le début du jeu aussi. Ah oui. Fouet. In the morning. Alors. Oh merde. Ah merde, ça risque de me faire mal alors que je suis. Aïe. Coriace, c'est cochonnerie. Attends, il y a un truc qui tire, qui crache. Ah oui. Non, elle est pas morte. Voilà, là elle est morte. Ouah, il y a une épreuve de saut. J'ai merdé. Oula. Oula là, je sens que ça va pas être top mon histoire. Merde, qu'est-ce qu'il y a, quoi qui a bougé? Un crabe de tête? Oui, un crabe de tête. Oh merde, je suis dans la mise. Ah, je le vois même pas, une patate. Ah, il est sur. Attention, il y a un câble électrique. Ah merde, il y avait un levier à. Ah con, je suis allé dans le truc alors qu'il y avait un levier à. Alors je pense que je peux m'en sortir. Ou pas. Non, je peux pas, même en mettant un coupille. Est-ce que je peux tirer sur le truc? Non, ça ne déclenche pas. On va recharger. Là, j'ai. Je me suis coincé tout seul. J'avais même pas fait gaffe. Ah oui, c'est un peu mieux là. Mais ça reste une question de goût. Black Mesa, je l'aime bien, me dit Fun, mais je ne le trouve pas indispensable. C'est surtout un Half-Life Remake, donc si j'ai le choix, je préfère faire Black Mesa qui est plus joli. Mais ça reste une question de goût. Ouais, bah ouais. Mais le seul truc qui vaut le coup, c'est la partisane où ça se dégage réellement. Sinon, tout le reste du jeu, quelle est l'évolution de gameplay, est un peu plus joli, mais sans plus. J'aime pas cette modalité si ça a pas de la 4K, ce jeu merdique. Oula. Oh là 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 là. Oh merde. Oh des grenades, j'en ai pas mal. Allez hop. Merde, j'ai fait bobo mais pas suffisamment pour le buter. Oh là, le morceau.
Ouais, l'ascenseur est foutu. L'ascenseur est foutu. Ah, je sais plus comment ça marche. Ah oui, c'est des explosifs qui se collent. Ah non, ça se pose et boum. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. C'était pour tester. C'était pour tester. D'accord, d'accord. Ah, je me souviens plus de ça. Ouais, c'est très bien. Je dis juste que maintenant, tout confort visuel, je préfère Black Mesa. Pourquoi tu dis cette mentalité? J'ai rien à signer de cela. Disons que j'en ai un peu marre qu'on fasse tout le temps des remakes et des remasters. J'aimerais qu'on fasse un peu de la création. Oui, il y en a aussi, oui. Mais oui, c'est vrai que je rejoins un peu la peur de fan à l'idée qu'il y a un peu trop d'une mode de remake, remaster. Il faut pas, effectivement, il faudrait pas que ça empiète trop sur le côté nouveauté création. Mais ouais, il en faut pour tous les goûts, oui. Oula, ce chargement de fou. Peut-être pas forcément besoin d'un reboot. Que j'y suis passé par ici. Bah oui, j'en viens. C'était le truc. Alors, FunFan qui répond à Tixi, je sais pas spécialement toi, mais plein de gens me disent ça, et ça commence à me fatiguer, c'est plus joli. Alors Tixi qui répond, rien n'oblige à jouer au remake, après tu peux toujours jouer à l'original si t'as envie que tu souhaites. Oui, c'est mon cas avec Half-Life. Bon, j'étais pas passé par là, attention. Ah, je m'en souviens pas. Ah si, c'était le coup des caisses. Si, merde, j'avais déjà oublié. On a gagné un tour. FunFat qui répond à Tixige. Vraiment, c'est pas contre toi, mais ces derniers temps, j'ai un peu trop entendu cet argument. Ah oui. Pour le moment, je me refais Final Fantasy VII original, donc bon... Ah, c'est bien. Si je fais marche arrière par rapport à l'aiguillage, je continue tout droit ou je vais sur le côté? Non, non, mais d'accord, merci. C'est pas comme ça que ça marche. Les remakes de Total Recall, Robocop et Star Wars étaient pourris. Je préfère les films originaux. Ouch. Ah là, ça m'a touché, merde. J'étais mis au courant. Jour égale jeu. Oula. Ah, une défense avec le jeu original à part le scénario, c'est ça que tu voulais dire. Oui, mais j'ai pas déplacé la... Oui, ça va pas, j'ai pas déplacé la pince. Faut que j'atteigne ce poste-là de... Attends, il y a une machine qui m'a tiré dessus, mais je sais pas où est-ce qu'elle était. J'ai pas compris. Moi, je... Attends, oui, non, là, je peux pas changer de direction de toute façon. Moi, je trouve que les remakes, c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas eu la chance de connaître les originaux. Et du coup, certains remakes apportent des améliorations au niveau des ergonomies, etc. Il faut pas que le négatif. Oui. FunFan qui continue de répondre à Tixige. Attends, je vais peut-être aller tout droit là. Oui, c'est sûr, c'est le remettre au bout du jour que c'est pas si mauvais que ça. Je trouve pas que c'est un peu la facilité pour les développeurs. Mais je trouve que c'est un peu la facilité pour les développeurs, nous dit FunFan. Bomberlock dit, le seul bon remake, c'est celui des Tomates Tueuses de l'espace avec George Clooney et sa choucroute années 80. Oh. Oui, la fatigue t'exige. Oh, la chaleur aussi qui fait des dégâts. J'en sais quelque chose. Oh! Piste. Mince! Ah non! J'étais en bonne position au niveau de la souris et puis finalement j'ai un
réflexe malheureux. Je suis pas allé, on va aller bestial. Oula, 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 oula. Je vais peut-être poser. Putain, ils sont sérieux à Black Mesa. Attends, je vais peut-être me poser là, ça serait mieux. Voilà. Là, je pourrais faire quelque chose. Cool. Cool, cool, cool. Ouais. Ah oui, c'est de la, c'est du boulot, ok. Ah, il y a le rail. Attention, ouais, faut pas que je touche. Je peux aller dans la flotte alors. Ah oui. Il y a un militaire qui est resté. Ok. Bon, bah, il y a un militaire mort au fond de la mare. Bah, là, on peut imaginer au niveau immersion, c'est peut-être qu'ils ont tellement bien creusé, il y a eu une nappe phréatique, et puis. Enfin, on voit les tuyaux passer quand même de chaud et froid. Non, à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc, attends, c'est bizarre là. Voilà, on voit des. Ils ont même une griffe au niveau du. Une griffe au niveau de la queue. Merde, j'ai pas réussi à remonter sur le. Ah. Si, ça va. Alors, attendez, on continue. Je voulais dire, nous dit exige que les remakes n'apportent pas que du négatif. Alors, fan dit la 4K coûte très cher aux développeurs, mais je dis qu'on la supporte. Je dis on la supprime. Vous nous ramenez des jeux génération PS3 360 720p et vous faites plus de la création et pas des remakes. Il faut que je reste concentré dans le jeu, excusez-moi du peu. Ah. Il va y avoir de l'action. Oh merde. Il y a des rats. Oh la vache. Et le truc, il est où? Ah, il doit être derrière les caisses, le machin. Ah merde! Le truc, il m'explose. Ça va pas. L'approche, elle est pas bonne. Oh le con! Ah, il est tombé dans le. Ah, il faut subtilement mettre la grenade là. Voilà. Et voilà. D'accord. Voilà, le truc se barre. On se demande à quoi sert le truc à part gêner le passage, hein, franchement. Il y aurait une plateforme de gestion de stockage, je dis pas, mais là c'est un peu cucu la praline. Alors, oui, FunFan qui disait la 4K coûte très cher aux développeurs. Moi, je dis qu'on la supprime. Vous nous ramenez, merde, il y a le crabe de tête, je suis en train de me faire exploser. Ah mais merde, je glisse à chaque fois. Oui, vous faites plus de création et moins de remake, oui. Et les manières de flotter le machin, c'est trop bizarre. Voilà.
On continue, on avance. Là, alors je voulais dire les remakes n'importe quoi qui est négatif, machin. Oui, voilà. Fun Fun Kermit exige. Je vois pas l'utilité du remake de The Last of Us 1. Merde, il a dû sortir de la. Du haut, j'ai pas compris. Surtout que le jeu n'a même pas 10 ans, quoi. Ouais, il y a un effet comme texture plus réaliste, mais moi aussi je les approuve, l'idée. La 4K ça coûte pas plus cher, c'est juste qu'une réduction de texture agrandie, c'est dans les codes du jeu. La 720p c'était en 2010, il faut que ça évolue aussi. Ah, moi non plus pour The Last of Us, je trouve ça inutile. D'accord. Christella qui répond à T'exige. Les remakes, alors que je vais me remanger le. Le câble électrique. Les remakes, quoi. Amènent surtout de l'amélioration dans les gameplay, dans les anciens jeux, plus de fluidité, etc. Fun fan. Bien sûr, le monde ne peut pas s'arrêter d'évoluer. Répondant, t'exige surtout vendu 70 balles pour faire de la légère amélioration graphique et le gameplay de la PS3. Merde, je suis en train de planter. Edgy Club nous dit, je joue actuellement à Totally Accurate Ball. Alors, Edge joue actuellement à Totally Accurate Battle Simulator. Raccourci Tabs. Fun nous dit, je suis pas spécialement contre les remakes, surtout si ça arrive à porter un nouveau gameplay, des nouveaux graphismes, comme le cas de Final Fantasy VII. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est devenu une mode qui y en a un peu trop. Le remake au site du premier Resident Evil, je le trouve très intéressant. Qui c'est qui m'allume? Ah, c'est lui. Ah bah, je suis mort. Ça, c'est pas mal comme mort. Nashelman qui répond. Fun Fun, c'est comme tout. Après, faut se dire que si les développeurs font ça, c'est que ça se vend. Il répond donc à cela. Tu as raison, c'est la faute aux consommateurs. Lol. Nashelman complète son propos auprès de Fun Fun. Bah, en partie, après, les développeurs abusent aussi sur le nombre de remakes, surtout pour les jeux qui sont sortis il y a 2 ans. Ça ne sert à rien à part prendre le pognon des gens. Oui, bonjour, The Last of Us. ah oui, c'est la partie supérieure. Oui, vous voyez, avoir plus de militaires au niveau du rail. Effectivement. Alors, artillerie lourde. Oh, la violence! Oh la vache, pas évident là. Peut-être le pépon, je serais peut-être mieux au pépon en fait. Ils sont peut-être suffisamment proches pour que je les allume. Ah non. Merci. Merde, quelle est la bonne arme? Une grenade? Bah non, je peux pas. Enfin, pas le premier en tout cas. Ah, je prends trop cher. Je prends trop cher, ma technique elle est pas bonne. Est-ce que je balance une grenade aux Mickey qui sont en... dans la cage déjà? Merde, je balance une grenade. Apparemment, mon astuce a fonctionné. Oula, oula, oula. Oh, le tournis. Merde, salopard! Ah, comment je me suis fait cuire! Ah, attends, je vais essayer le magnum finalement. Je vais essayer différentes techniques. Et puis je vous relirai après dans le chat. Ah, oui, bien! Ah, vache, c'est efficace ça. Ah, je les ai eu. Je les ai eu. Alors, l'autre.
L'autre. Attends, faut que je bouge, je pense. Ouais, faut que je bouge parce que sinon il m'allume. J'aimerais bien repasser en bas. Ah mais non, pas comme ça. Pas comme ça. Je suis en train de vous oublier parce que il y a beaucoup d'action. C'est la guerre, dit Achievement. Remake de Max Payne 1 et 2. Il y a des remakes de prévu pour Max Payne 1 et 2. Oui, Rockstar l'a annoncé et ce sera fait par Remedy. Qui se sont qui ont déjà fait les originaux. Ouais, j'adore le premier, c'est l'un de mes jeux favoris. Oui, Fafan, on a fait un direct spécial que j'avais commenté pendant 6-7 heures, je sais plus, mais c'est vrai que c'était bien, c'était intéressant. Oui, bah du coup j'ai rien d'autre à faire puisque quand j'ai buté le monde. Comment j'atteins la plateforme des militaires, moi? En fait, je peux... À moins qu'ils m'aient rejoint les militaires au niveau, je sais plus. Attends... Ah non, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, les militaires. Oh, merde. Je suis retombé comme un caca. Chiotte. Oh, alors que j'avais tout fait. Allez, je marche. Ah, j'adore Gordon Freeman qui recharge alors qu'il descend une échelle. Enfin, qu'il est sur une échelle, c'est quand même très fort. Le gars, là, je dis respect. Bon, moi, j'ai refait plein de vie. Et ben voilà, on va y aller tout doux. Alors, Nashevman qui dit à Fanfan, il faut voir le travail. Ah, j'ai fait quoi? Ah, je peux voir. Là, il y a du lag en face. Il faut voir le travail qui a été fait. Refaire le jeu de zéro avec un nouveau code, des nouvelles animations, du gameplay un peu revu et des textures refaites. Ok, je valide. Prendre le jeu de base et modifier uniquement des textures, je hurle au scandale et ils ne verront pas mon argent. Oui, bah. Oh merde, c'est bon. J'allais dire ils m'ont quasiment abattu. Voilà, je sais pas qui c'est qui m'a donné le coup de grâce, mais il m'a bien eu. Oh là là, oui, c'est la guerre. Tu vois. Alors, Christella vers FunFan, si c'est Remedy, j'ai confiance en eux, ils font du super boulot. Oui, même vision pour FunFan et Shepman. Bob Morlock nous dit, d'ailleurs, il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Roller Dome. Un mélange entre du roller et du gunfight à la Max Payne avec ralenti. Une adaptation officieuse du film Rollerball. Qui m'a dit tout à l'heure? Il y en a un qui m'a eu, mais je sais pas qui c'était. Il y a rien là? Non, il y a rien. Mais je joue là. Voilà. Bien fait pour ma tronche. Oh la vache. Les salopards.
Tête au magnum. Message de FunFan 1992. Il y avait de la vie de l'autre côté des militaires. Voilà. Ouais. J'irai voir juste après FunFan. Ouais, j'oublie pas d'aller voir du côté des rails. Je vais essayer d'à peu près bien fouiller les niveaux parce que sinon je vais me faire avoir. Attendez, je reprendrai la lecture du chat après Bob Morlock d'ici. Bah. Oh merde! Oh le salopard! Très bien planqué, je me suis fait avoir comme un bleu. Dans les jeux à la Rainbow Six antiterroriste, je me serais fait avoir, mais en toute beauté quoi. Ridiculisé. Ouh, j'aime pas les magnums. FunFan, j'aimerais qu'il garde quand même une version française. Garde la BD, le point d'exclamation pour détecter les objets et que quelques explications sur des zones d'ombre sur le scénario. Nachef qui répond à FunFan, je garde dans les meilleurs exemples de remake Spyro et Crash Bandicoot. Tout a été refait et ça sent les univers et les esprits sont là. Alors, FunFan répond, Spyro et Crash Bandicoot, pas spécialement fan de ces licences, je peux pas dire. Oh merde. J'ai à peine bougé, il y a un truc qui s'est déclenché. Ah oui, oui. Merde, il m'a eu. Ah, j'ai du grabuge. Hein. Ah, il y a peut-être un truc dans la caisse. Énergie disponible, 15%. Je veux dire, je vais pas aller loin avec ça. Merci pour le GG. Tu devrais retourner en arrière, me dit FunFan. Ouais, ouais. Nainette nous dit vive les... Nainonet nous dit vive les free-to-play quand ils sont bien faits. On paie que dalle ou alors quelques euros pour remercier si on a passé un bon moment dessus. Diablo Immortal. Tant pis, trop tard. Non, mais je pourrais revenir en arrière. Je pourrais revenir en arrière. Non, mais t'as raison, vu ma situation, je pourrais bien me faire ça. Tu as raison. Il doit même y avoir des trucs, je joue mal parce qu'il doit même y avoir des trucs dans les caisses là. Enfin, potentiellement. J'ai dit potentiellement. Voilà. Tiens, pourquoi il y a eu des censures? Enfin, je te laisse gérer, FunFan. Oui, on va t'a gérer, merci. Forcément, si tu cherches la petite bête. Alors, je vois pas comment l'automode a voulu censurer ça, mais bon. Je suis plus à sa paix. Attendez voir. Donc, tac, tac, tac. Attendez voir. Ouais, il y avait la villa, bien vu. Il y avait la villa. Même là, d'ailleurs, il y a un truc. Mince, je me trompe de touche. Aïe. Oula, c'est quoi ça? Oula. Heureusement, il ne m'a pas vu. Ah oui, non, d'accord, c'est une blessure. Ah oui, bien vu FunFan. J'ai pas fait le truc dans le bon sens. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Ça aide. La petite bête qui monte, ouais.
Alors, Nation Man répond à Bob Morlock, forcément si tu cherches la petite bête. Bob répond, je sais, c'était pour la provoque. Pas de soucis. Nashefman vers Nainonet. Ah, j'aurais dit prends tes joueurs pour des comptes ou win. Ouais. Je me fais pas mal censurer. Dois-je me poser des questions? Sacré Nash. Non, mais bon, c'est Westbot. Ouais. Les robots font s'en méfier. Il y a parfois un caractère aléatoire. Tiens, j'ai pas vu ça. Oh merde, il me fait peur! Oh la vache, m'a foutu les jetons alors que je voyais au loin l'interrupteur. Ah oui, c'est pour passer plus tard, ok. C'est pour passer plus tard. Merde, oh, mais oh, je pensais que... Oh, décidément. Alors, j'en étais à là-bas. Voilà. Là-bas, tiga 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 da. Nainonet nous dit Diablo 3 aussi était pas top non plus, mais mieux que Diablo Immortal si j'en crois ce que j'ai entendu. Nash Elfman y répond, tu enlèves les microtransactions et tu as Diablo 3. Voilà, ça c'est fait. Attends. Oh merde. Non, il m'a eu. J'ai failli sauvegarder, mais il m'a eu. Cadeau? Sans Anthony? Fusil à pépon. Alors, FunFan nous dit, hier on s'est marré avec l'histoire de la bête qui s'exhibe. Oui, oui, non, mais c'est bien, vous avez équipé. Mais c'est vrai que je reconnais mi bout à bout comme ma coincé une scène. C'est vrai que t'as l'impression qu'on est allé dans les bois avec le mode expédition coquine activé, quoi. Mais bon, c'est bien, on a bien rigolé. Nainonet nous dit, mais par exemple, World of Warships, durant un temps, a été bon. Alors attends, j'étais en face. Bah oui, c'est la suite où il y a le... Ouais. Donc à partir de là, je me barre là-bas. Et le grabuge est arrivé à quel moment? Oui, là, je peux rien faire. Là. Oui, le grabuge est arrivé là. Donc là, je sauvegarde, ok. Là, est-ce qu'il y a des militaires? Oh, la vache, il y a des... Merde. Vache, ils sont... Ah, c'est fait avoir. L'autre, il arrive ou pas? L'alien. Pas du tout. Là, je l'ai eu. Alien. Un peu idiot. Un peu idiot, mais je l'ai eu. En face, il doit y avoir un truc intéressant dans les caisses, non? Allez, je me fais mal. Mince, non, là c'est du gâchis. Là, ah, cool! Oula, oula, oula! Merde, j'ai merdé mon saut. Ah! Cohérent, faut se méfier de tout. Ah oui, il y a ça à faire sauter. Et l'autre, il est où? Ah, c'est une détection de... Ouais, mais ça fait pas logique, quoi. Ça fait pas logique. Est-ce que c'est pour une explosion ou c'est une détection de passage? Ah non, c'est un bug.
Ah, c'est un bug, dommage. C'est un bug. Ah merde, il y a le chargement d'un truc. Non, attendez, je reviens en arrière parce que si j'y vais sans le chariot, c'est ça fauteuil. C'est foutu, c'est foutu. J'étais où moi? Attends, je sais même plus d'où je viens. Oula! 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 Non! Merde! Je vais recharger, ça va pas là. Je suis en train de me fourvoyer dans les corridors. Mais non, mais non, mais non. Attends, il est où mon chariot? Faut que je reparte en arrière et que je continue la progression. Je pense que ça va me laisser un peu de temps pour vous lire. Hein. Vu la distance à faire sur le rail. Mais j'ai la barrière qui est fermée. Ah, voilà pourquoi. C'est un point de contrôle. Si j'arrive à remonter sur le truc, ce serait bien. Si j'y arrive, bon. Ah, on sauvegarde et on y va dans les jeux à la bonne humeur. C'est quoi vos free-to-play préférés, nous dit Bob Morlock. Moi, je crois que j'en ai aucun. Bah si, Marble on Steam. Marble on Steam, voilà, les bibis, c'est le seul. La bonne blague. Attends, faut pas aller en arrière, là, c'est bizarre. Est-ce que j'ai pas un intérêt à aller en arrière, moi? Oh non, j'y suis allé à pied. Oui, non, j'y suis allé à pied, y a pas d'intérêt. C'est débile, mon truc. Oui, les jeux bien faits, il y en a marre des jeux en carton. Pareil, je n'en ai pas, nous dit Nash. Il y en a, mais faut sortir des sentiers battus. Alors, Bob dit, perso, celui où j'ai passé le plus de temps, c'était Warframe. 500 heures! Ah oui, t'es un gros fan, hein? Tu t'es endormi dessus, c'est pas possible, en faisant des nuits blanches, parce qu'avoir des tels stats de jeu, waouh! Il y a aussi les jeux en open source, ils sont gratuits, mais en alpha ou en bêta. Non, il y a des jeux en open source qui sont aboutis. De tête, je pourrais plus te dire, mais il y en a sans déconner. Il y en a pas mal, il faut savoir les trouver. Wikipédia, tapez voir open source games. Et il y a un répertoire dans Wikipédia de ça. Et vous pouvez faire des belles découvertes. C'est pour ça que j'ai trouvé le First Person Shooter, ce que je fais de temps en temps, là, le gratos dont j'ai plus le nom non plus. On se refera bientôt d'ailleurs. Oh oui, t'avais joué une dizaine d'heures, Nainonet, avec un pote dans ce jeu. Ok. Warframe, ouais. Merde, j'ai oublié de l'univers. Je suis mort. J'ai fait de la mise là. Ah, j'étais déchargé. J'ai été déchargé. Oh, bug graphique. Ah, petit bug graphique. Il y a une texture qui n'a pas été chargée. Ah, comment je vais cueillir les militaires, moi? Ouais, je vais peut-être essayer l'explosif, histoire de me livrer le chemin assez rapidement. Oui, là, on va rester encore le bonheur sur Half-Life. On va tout doux vers les Césaires. Alors, en open source, nous dit Nash, il y a Battle for Weshnoth qui est super si vous aimez les tacticals sur case hexagonale. Ah, je connais pas, merci de la référence. À mes heures perdues, je parle au conditionnel, peut-être que je me mettrai sur mon Discord pour aider certains. Quoique Discord, je sais pas si la plateforme se prête à ça. Faire une base de données de jeux gratos que j'aurais repéré, mais je pourrais faire une liste plus que longue que le bras, parce que moi qui suis linuxien, je vous laisse deviner que des références j'en connais plein. Je les ai forcément pas de tête, mais quand je touille dans ma ludothèque gratos open source, pardon, monde du libre, il y en a pour tous les goûts.
Oh, je lis. Oh, le strike, presque, le ménage de palu. Mais j'ai bien fait le ménage. Oh, la vache. Ah, je crois que c'est la fin du rail. C'est la fin de l'histoire du rail. Oh, le bordel. Attends, il y avait un truc barricadé là. Là, je crois qu'il y a des crabes de tête qui tombent dessus si tu vas dans l'angle. Un vieux souvenir. Ah, il y a encore des machines. Ah, ça peut pas durer. Alors, il fait son boulot ou pas? C'est pas passé loin. C'est bien. Bon réflexe. Merci, mon garçon. Oui, je vais peut-être prendre le temps de la... De... pour recharger tous mes flingues. Que je sois... Voilà, dans ce bon chou, je suis prêt, je suis au taquet, c'est cool. Un open source... Ok, ma blague, je sors. Quoi, fan? Free to play, j'aime pas, je préfère le to be free. si, elle était pas trop mauvaise. J'avais même pas fait gaffe. Avant, j'étais trop vite en fait. J'ai ça a pas. Mon cerveau a pas réagi. Voilà, là, j'ai vachement souvenir de ça. La bonne blague pour la frousse. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un bonus dans le faux plafond. Non, on peut pas l'atteindre. Je crois que j'avais essayé plus jeune. D'aller dans le faux plafond, mais tout de suite. Ah. L'énergie disponible, 35%. Ça me va très bien. Merde! Alors, il y a la satanée. Hémorragie détectée. Oulololo. Ah. Rends-toi, Freeman. Je sais plus si je peux les neutraliser, les machins là. Ah bah oui, y a un mec derrière. C'est pas par contrôle informatique, si je puis dire. Merci. Attends, je vais retrouver un chariot? Non. Aïe, aïe, aïe. Pas marché dessus. Attends, je comprends plus. L'intérêt de l'endroit. Ah, monter. Oh merde, putain, j'ai... Ah oh, bien, bien joué. J'ai pas... Ah oui, il y a des cadeaux, là. Bien vu, bien vu. Bah merde alors. Bah. Pourquoi il veut pas que je monte? Je suis censé pouvoir monter. Pourquoi je peux pas? Attendez, oui je... Attends, fan, je vais te lire. Oh bah. Je tombe comme un caca, laisse tomber. Oh, je vais refaire. Je vais refaire la scène. Sinon. Ah. Nanette qui fait la promotion de Minecraft. Alors, Minecraft. Minecraft, en parlant, en faisant le lien avec le monde du libre, il y a.
y a plusieurs tentatives de parodie, de plagiat en version libre. Il y a Mindtest. Vous regardez Mindtest sur internet, le jeu. Et vous verrez que c'est le Minecraft du pauvre en fait. Bah merde, il est pas mort lui. J'arrive pas à sauter sur le... L'animation du Magnum, elle est excellente. À la recharge, franchement. C'était tellement excitant à l'époque quand c'était sorti de pouvoir faire l'animation de recharge du Magnum. Mais je vais y aller hein, sur le rail électrifié. Tout ce qu'il faut pas faire, je vais le faire. Il est bientôt 16h. J'ai pris ma décision. Je me sens capable de faire le stream dans une heure. Nickel. Ok, nickel, Folkfan. C'est bien. Bob Morlock. Tiens, nouvelle question au chat. Vous jouez à un jeu qui s'est fait défoncer par la critique et les joueurs. Mais vous prenez du plaisir. C'est votre péché mignon. Un jeu qui s'est fait défoncer par la critique qu'on a apprécié. Ah, y en a sûrement. Il y en a sûrement, mais de tête, ça ne revient pas. Alors, défoncé par la critique, je sais pas. Mal noté, selon moi. Il y a un tour par tour futuriste que j'ai beaucoup aimé, qui est Max, Mechanized Assault and Exploration. Il y a même un deuxième opus. J'ai la chance d'avoir les deux. Vous devrez pouvoir trouver ce jeu en abandonware. Par contre, pour le faire fonctionner sur les Windows modernes, je crois que c'est la croix et la bannière. Il faut aller sur un site de passionné qui a réussi à faire un petit programme de conversion. Mais merde, comment je fais pour... Pour une batterie, je laisse tomber. Je vais pas me prendre la tête. Parce que demain, j'y suis encore. Attends, il faut que j'explose le sac de... Le mur de sac, là, de briques. Comment ça se passe là, je sais plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si je peux pas tourner, c'est un cul-de-sac. Bah merde alors. Alors je suis un abruti là, j'ai pas compris ce que je devais faire pour continuer mon chemin. Ah si, il faut peut-être que je passe par le faux plafond alors. Là où il y a les crabes de tête. Là il y a un truc. Non. Ah, j'aurais peut-être pas dû exploser les caisses en fait. Cet endroit est bien plus grand que je ne pensais. Oui, c'est très grand, oui. Non, ça mène nulle part, le machin. Je suis un idiot. Tagadagadididado. Ah, bah ça saute tout naturellement. Ah, ah. Il faut pas se mettre de barrière psychologique. Il faut pas se mettre de barrière psychologique. Ah, ah, la fusée. Il y a les militaires en dessous, je pense. Ah oui, il y a les militaires. Il y a les militoons. Ah ah ah, il y a des choses à faire par ici. Ouais, là tu peux pas. Sachant que tout à l'heure on était tout en bas. Putain, j'adore la cohérence des niveaux, c'est trop bien. Cool. Ah Bob, tu commences pas là de 76. D'ailleurs, je suis en train de me dire avec ma nouvelle carte graphique, il faudra que je vérifie. Je crois que maintenant je peux faire Fallout 4. Mais je vous referai sur mon antenne, je sais pas quand.
Alors je referai entre guillemets Fallout New Vegas, qui est en fait le Fallout 3.5. J'avais commencé et je suis pas allé loin, donc je vais le découvrir en fait avec vous sur l'antenne, ce sera pas plus mal. Je commencerai peut-être durant l'hiver, je sais pas, il y a tellement de choses à faire. Pareil, j'avais dit que je parlais avec Olive qui tue le Stardew Valley, mais on n'arrive même pas à synchroniser nos agendas, donc c'est foutu. Enfin, c'est foutu, c'est pas bon maintenant. On verra, il y a tellement de choses à faire. C'est la richesse. Ah, il faut que je me baisse. Oh, oh, j'ai même esquivé le. Ah merde, ça l'a fait. Oh, je l'ai eu au petit flingue. Pour la classe. Pas mal le petit flingue sur les tourelles. Non, arrête-toi. Ah, je vais perdre l'engin. Arrête-toi. Pas mal, c'est pas pour me déplaire ce qui vient de se produire. Ah merde, je peux pas passer, je vais prendre la petite porte. T'es mort, Freeman. Ils sont déchaînés, les militaires. Oh, il y a des... Merde. Il y a des manches... Ah, un manche. Et c'est tout. Ouais, Star Wars République Commando, Nashaman ni Minecraft, c'est comme le Big Mac, souvent imité et jamais égalé, ouais. Christella, qu'il y a Bob Morlock, je dirais comme toi, Fallout 76 sur le Game Pass, j'ai pas mal joué et apprécié. Ah, intéressant la critique. Duke Nukem Forever, fun fan qui répond à Bob Morlock sur la question, le jeu mal critiqué que vous avez adoré. Merde, oh! Je pensais sauter et éviter le rail électrique, et en fait, je me suis mangé plein dedans, quoi. Tout ça pour ça? Oh! C'est une escroquerie. Voilà, là, je suis mort, net. Merde, ah, j'avais oublié le crabe. J'ai oublié le crabe. Je vais même pas tuer la bestiole parce qu'on s'en fout. C'est bizarre ça. Ah oui, non, c'est la bombe. Ah. Oui, non, bah je vais continuer avec le. Mais j'ai quasiment plus de vie donc je suis un homme mort. Enfin, on va voir où est-ce que ça va me mener, mais bon. Alors, peut-être au. Ouais, peut-être au même. Ah bonjour, Ya Mazari. Je sais pas, je prononce bien. Hello and welcome. C'est l'heure du goûter, nous dit Nainonet. Ouais, c'est pas faux. Ah tiens, je vais peut-être me croquer une banane quand je vais rendre l'antenne à la FunFan. On ferait du bien une banane dans le bide. On ferait tout vrai, mais coûte quasiment plus rien. Fallout 76, nous dit Bob. En tout. Ok. La violence. Ah oh, merde. Oh merde, il a réussi à me toucher. Ah, il m'a tué. Je suis mauvais. Pardon, je vais reprendre la lecture après de la. Non. Oh, cette porte. Merci. Voilà.
Au moins j'ai eu la bestiole. Donc j'ai un peu plus de vie. On y croit. Bob Morlock, est-ce un jeu? Attends, et un jeu? Mais attends, je vais avoir un comité d'accueil là, ça va être chaud. Bob Morlock dit, et un jeu s'est fait encenser par la critique et les joueurs, mais vous, vous n'y avez pas accroché. Perso, Monster Hunter, j'ai découvert que la chasse de monstres, c'est chiant, long, et ça m'intéresse pas. Ah oui. Ah, en parlant de chasse, il y a... Alors, je crois que, pareil, il a été critiqué moyen, mais moi, j'avais adoré. C'est... Alors, attention, il y a une saga, et c'est qu'un seul opus, c'est les Cabela. La saga Cabela, c'est des simulateurs de chasse. Et il y en a un... Alors, celui que j'ai, il est gravement buggé. Faudra peut-être que je vous fasse une démo un jour sur mon antenne. Tiens, ce serait pas mal. Cabela, j'ai pris pas le safari en Afrique, mais la chasse aux États-Unis. Et en fait, vous avez les États-Unis d'Amérique divisés en 4 zones. Donc, nord-ouest, sud-ouest, etc. Et... Attention, merde. Fonction vitale menacée. C'est quoi qui m'a tiré dessus tout à l'heure? Ah ouais! D'accord, le mec il était au lance-roquette. Ah oui, je comprends mieux. D'accord. Merde, oh con, j'ai marché sur l'oreille. Bref, et les États-Unis sont divisés en 4. Et à un moment, dans la progression, vous pouvez générer un bug qui fait que vous êtes bloqué à la deuxième zone sans pouvoir débrouiller les deux autres. L'autre moitié des États-Unis, quoi. Mais sinon, le cabela, j'aime beaucoup. Ça, voilà. C'est... Alors, pour revenir à ton exemple, le jeu qui était encensé et que toi, t'as été déçu. Très bonne question. Attends, je vais réfléchir à ta question parce que ça ne me vient pas de manière évidente. Un jeu encensé par la critique que t'as pas apprécié. Oh! Je suis passé entre les roquettes, c'était assez impressionnant. Merde, je suis trop proche. Je me suis fait avoir par l'effet de souffle, dommage. Merde, le rail. Oh là 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 là. C'est impressionnant. Je sais pas si on parle dans le secteur. Oui, oh, c'est pas grave, je m'arrêterai avec le truc mûche. Oh, j'essaie de répondre à ta question, Bob. Le jeu a été encensé, vous l'avez pas aimé. Fait tripoter de jeu. Je joue depuis que je suis gamin, alors depuis que je suis ado, alors, sachant que j'ai 40 piges, j'arrive pas, je veux dire, j'arrive pas à me faire. 12 balles pour avoir un. Bref. Non, merde. Ah, stop le truc. Si ça me vient, je te répondrai plus tard, Bob. Mais là, c'est pas évident. Il n'y a rien qui m'arrive à l'esprit. Alors, Dainonette nous dit, mais je préfère de loin la série des AOE, bien que le FPS Age of Empires Online, Project Celetek, Dave Freeman, oui, c'est ce qui a failli se produire. Que bug, ne met pas tant plus que ça. The Last of Us, je comprends pas ce jeu, dit Nashman envers Bob. La chasse aux États-Unis, dit Bob. Ah oui, tirer sur des Américains. Quelle horreur. Non mais c'est beau, il y a des caribous au nord, il y a les biches et les ours à zigouiller au sud.
Mais non, moi j'aime bien le simulateur de. Mais il a été mal perçu par la critique, il était moyen, voire négatif dans les notes. Et moi je l'aime bien. Bon, c'est vrai que le coup du gros box, c'est vraiment. Je suis pas tombé dessus quoi. De vote pour Last of Us, c'est intéressant. Alors FunFan nous dit, j'avais essayé la version PS3 de Last of Us, le gameplay qui est pas terrible, l'histoire qui est certes intéressante, mais qui est pompée sur le film, La Route sortie en 2009. Christella répond à Bob Morlock, honnêtement j'en sais rien. Nashevman vers Bob. On va dire que les polémiques du second jeu m'ont convaincu de ne pas y jouer parce que ça m'a gavé. Yo Cyberfan, ouais tu passes sur téléphone. Et merde. Ah. Y a pas de FPS Age of Empire, mais FTP Age of Empire Online Free to Play. Nashevman nous dit, en jeu de chasse, j'apprécie beaucoup The Hunter Call of the Wild. J'en ai entendu parler, mais je m'y suis jamais frotté. Nainonet, tu m'as tagué pour le plaisir. Christella, alors, nous dit, en parlant de polémique, vous avez vu par rapport à l'annonce de GTA 6 qu'on incarnait un perso féminin, ça a fait beaucoup jaser. Je suis pas du tout au courant, je savais même pas que le 6ème opus était sur les rails. Ah merde, merde. Eh ben c'est le 4ème qui m'aura eu. Bien joué. J'ai bien joué, c'est bien fini. Lequel a essayé de me... Ah, il est là. Salopard. Est-ce que les gens sont stupides? C'est tellement mieux d'incarner une femme, surtout de dos. Fun fan qui dit ça, Christella. Canaillouve. Ah oui, Nashevman vers Christella. Ah ouais, perso, je ne vois pas le souci. Par contre, j'ai vu que ça commençait à séducolorer. Ah, intéressant le fait qu'il y ait une censure. Ouais. Bob Morlock qui répond à Christella. Perso, je sens qu'ils vont bien nous étonner. Je suis plutôt pour. Oups. Oh, je me fais refuser à pépon, lui. Pépon. Oh, vache. Merde, la chevrotine n'a pas fait effet. Ah, rechargeons, et zigouillons. Là c'est bon, ok. Fusil à pompe. Je pense que je vais m'amuser au fusil à pompe. Ouh. Ah. Un autre véhicule. On va peut-être changer de réseau. Oh merde, j'arrive plus à sauter avec Gordon Freeman. Non, il peut pas sauter là-dessus. Oh, c'est vicieux. Même en faisant un accroupi sauté, ça marche pas. Si, ça marche. Ah, faut arrêter. Merde. Non. J'aurais pas dû faire mon malin. J'aurais pas dû faire mon... Oh, j'ai loupé. Je lui ai tiré dans la jambe, j'ai l'impression, non? Aïe aïe aïe. Ce duel. Oh, il m'a quand même touché de sa part. Il m'a quand même touché. Christella qui répond à Fun Fan. Alors tu prends un mec avec des cheveux longs et tu vois pas la différence. Ouais.
Attends, j'ai poussé le truc ou pas? Ou alors c'est pas armé? Ah si, ça y est, ça bouge. Ah, les barrières peut-être. Non, je vais me le faire automatiquement. Ah, quand même. Si, j'ai quand même une récompense. Hercule, c'est pas pour moi, je préfère la douceur d'Aphrodite. Alors attends, Fun Fact qui dit non, perso sur GTA 6, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, que des rumeurs. Il est où le crabe de tête? On a entendu un crabe de tête. Ce qui m'énerve, rien d'officiel. Je sens que je vais me faire avoir par le crabe de tête. Il est où le salopard? Il est dans le conduit d'aération? Non, non, bah j'ai pas compris. Pourtant, oui, je peux continuer avec le véhicule. Ah, je me suis peut-être ouvert la barrière là et je m'en souviens pas. C'est possible. Oui, donc FunFan disait, non perso sur GTA 6, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, que des rumeurs, et ça fait plus de 10 ans qu'on nous dit que le jeu, je l'ai sur, que le jeu est sur les rails. Christella envers FunFan, tu l'as la trilogie remake de GTA sur PS4, tu l'as essayé? Ah, alors petite parenthèse, la trilogie remake GTA, je suis pas content. Parce qu'en fait, je l'avais sur Steam, mais dans l'ancienne version. Et je peux plus jouer à l'ancienne version. Il y a... merde, l'éditeur, c'est Rockstar. Ils ont verrouillé l'accès à l'ancienne version. Et ils t'invitent à racheter la nouvelle version. Sauf que j'ai pas l'ordi qui va avec. Je vais pas repayer. Là, c'est de la vente forcée, je suis pas content. Donc, c'est génial. J'avais l'épisode, là, vachement long, Ballad of the Gay Tony. Bah, j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu la faire. Donc, pas cool. Peut-être que par nostalgie, je vous ferai le San Andreas, parce que, et peut-être même le Vice City, parce que je les ai en version boîte. Donc... Message de FunFan 1992, Ballad of Gay Tony, c'est une extension de GTA 4. Oui, enfin le GTA 4 quoi, mais je peux plus jouer en fait sur Steam. Oula. Merde. Oh là, ils m'ont explosé. J'ai même pas vu la grenade arriver. Quoi, t'as même pas essayé leur live pour voir. Nashevman vers Christella, la trilogie s'est faite désinguer par les joueurs, apparemment ce serait une honte. FunFan qui répond à Christella, j'ai pas un gros affect alors la trilogie de base, donc je peux attendre. Nashevman dit, ah oui aussi, ces guignols ne proposent plus les anciens jeux dans le cululu, ouais. Oui, bah c'est mon cas. Et je l'ai au travers de la gorge, quoi. Mais bon, en même temps, c'est leur droit, hein. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, je voulais sauter, j'ai merdé. Ah. Ah. Intéressant comme... Ou pas. Ou pas. Il faudrait que j'arrive à faire un tir de snipe, c'est trop bien. Mais non, j'y arriverai pas, j'y crois pas. Ah, puis je peux pas monter en fait. Ah, c'est une échelle là. Ah, mais je suis mort. Oh là, je suis mort. Oh là là, oh cette guerre. Tout va bien par ici. Bob Morlock qui s'adresse à moi. Oui, on m'a dit ça, c'est tout simplement dégueulasse. Heureusement que j'ai des versions physiques. Ouais, bah j'ai pas la chance pour la Ballad of Gay Tony là avec le 4.
que du coup j'ai fait pareil que le début et j'ai jamais eu le temps d'aller jusqu'au bout quoi. Et j'aurais bien aimé. Donc, mais il y a plein d'autres jeux à faire. Voilà. Encore une raison de plus d'être déçu par la plateforme Steam. Oui, c'est pas faux, FunFan. Là, c'est sûr, ça va dans ton sens. Reste que sur GOG. Bah, je te cacherai pas que je serais intéressé, toi, FunFan. S'il y a le GT4 qui est sur GOG, j'ai pas vérifié. Mais je serais peut-être amené, justement, en puisant sur la tirelire que vous m'avez bien remplie, je vous en remercie sur la chaîne. Si vous êtes intéressé et d'accord, on pourrait se le faire. Enfin, pas maintenant, hein, mais ça, on pourra se le faire dans l'avenir. La chaîne a dit FunFan, on se calme, c'est pas la faute de Steam, c'est une décision de. Oui, mais c'est pas faux! Parce que c'est vrai qu'il y a un côté fermé de la part de Steam, maître du monde, si je puis dire, comme Jean-Marie Messier. Pour ceux qui se souviennent des vieilles affaires avec Jean-Marie Messier. Ah là 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 là, un grand malade mental, ce mec. Attendez, j'essaye d'être dans le jeu et faire la conversation en même temps le chat, c'est une gymnastique assez particulière. J'ai un hémisphère du cerveau pour le jeu et l'autre hémisphère pour le chat. Bon après-midi les gens, j'y vais, je reviendrai pour faire un saut dans le stream de FunFan. À plus Dynonet, oui, à plus tard. Bonne journée, merci d'être passé. Christella qui répond en achèvement. Oui, j'ai vu, mais d'après les jeux vidéo que j'ai vus sur YouTube, je trouve les graphismes sympas. Enfin, les vidéos, pardon, qu'elle a vues sur YouTube. Je trouve les graphismes sympas. Après, j'écoute pas trop les autres au niveau des avis. Je préfère essayer par moi-même. Exemple, Serious Sam 4. Ok. Ah, pour moi, toutes les occasions sont bonnes pour m'attaquer à Steam, dit FunFan. tac 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 Christella, ok, oui, vous saluez. La Chefman dit à Christella, ah mais lui, mais il faut tester, hein. Faut juste prendre en compte qu'ils ont fait un portage mobile HD pour les remakes et que c'est bien buggé. Battlefield 2042 est juste au-dessus en termes de débilité. Je me demande si c'est pas le seul Battlefield que j'ai d'ailleurs, moi qui aime bien les atmosphères futuristes. De 2042, je me demande si je l'ai pas, mais la version originale PC. Et je l'aimais bien. Je crois qu'il y a des headshots dedans. Oh la vache. Ah, je me dis que je peux la tenter. Je suis pas trop amoché. Est-ce que je peux l'approcher comme ça? Oula, ah non, il m'a. C'est vraiment bien pensé, c'est bien foutu. Oh la vache. Il faudrait que je balance une grenade. Qu'est-ce que... Qui c'est qui m'a tiré dessus? Parce que là, je suis quasiment mort. Ah non, je l'ai pas eu. Ah merde, je me suis fait avoir quand même deux. Oui, y a plus, j'ai une honnête. Ah! Merde. Ah, j'ai loupé deux cases, dommage. Tac, 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 tac. Je parle bien du Battlefield récent. Ah oui, du récent, ok, NH. Non, non, moi j'ai la toute première version et sur PC j'aimais bien. Voilà, bouge, 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 bouge. Je sais pas ce que tu fais à une grenade là carrément. Allez, adieu. Merde, j'arrive pas à le toucher, non mais c'est ridicule. Merde! Je me suis dégommé moi-même, mais quel abruti! Quel abruti je fais! Ah, je suis en train de prendre trop cher, hein, ça va. Bon, déjà lui, hop, c'est bon. Oula. Ah, le bla. Il n'y en a pas un autre? Alors, je vous offrirais bien une grenade à l'autre loustic qui est à l'angle là. Ah oui, ça y est, ils sont tous morts. Merde, non, même pas. Oh bordel, mais c'est pas possible.
pom, 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 pom. Mon avis, il faut se coller au truc et lui foutre la balle de McDonald's dans le crâne. Voilà, c'est ça. C'est la meilleure manière de s'en débarrasser. Oh, misère. Oui, là, c'est vraiment l'heure de goûter, très important. On peut dire que la Mirabelle... La mitraillette, la Mirabelle. Si je pensais à la Lorraine, ma région. On peut dire que la mitraillette de Half-Life, elle envoie du bois, oui. Ah là là. Allez, zou. Eh oui, ça ouvre la barrière. Encore un point de contrôle. À la joie des militaires. Voilà, c'est ça que j'aurais pu prendre. Parce qu'il y a possibilité de tirer avec. On peut réussir à viser. Non, j'ai refait la tête. Non, je ne dessinerai pas quelque chose de fallacieux. À base de trucs de balles. Il fallait que je la fasse. Non, c'est pas le bon flingue. Alors, Bob dit, la Mirabelle de Half-Life envoie du bois. Ça se tient aussi. Ouais. Vive les MG42. Yeah. Moi, j'aime bien les Glock. Les petits flingues 9 mm, les Glock, je les aime bien. Il y en a dans... Bah, à partir du moteur là, il y en a dans... je l'avais déjà montré, j'avais téléchargé. Il y avait dans... Mince, comment ça s'appelle? Dans... J'ai peut-être fait une bêtise en laissant le truc sur le rail. Boum. Enfin, si c'est bien passé, placé. Non, c'est mal placé. On va recharger, j'ai tout faux. On va recharger, j'ai tout faux. Alors, voilà, on va peut-être se calmer avant, ce sera mieux. Alors, attends, il faut que je mette. Mais je peux pas poser le truc? Si, je peux le poser. Comme ça, si je fais ça avec l'effet de souffle, ce sera suffisant. Ah, il y a un cadeau en dessous. On écoute. Vu les débris, c'est excellent. Ah, ah oui, bah j'ai gagné ma charge. Voilà, c'est cohérent. C'est vrai. Eh, c'est vrai que le tableau mystère, faudrait que je le refasse là, puisqu'on est dimanche. T'as bien fait de balancer le son, et Jay, j'y pensais plus, mais... Vous voulez qu'on se fasse un petit point tableau mystère avant que je rende l'antenne à Funfar? Dans 20 minutes? Honnêtement, je sais même plus où est-ce qu'on en est. Faudrait que je regarde assez rapidement mon tableur. Énergie disponible. Attendez, je vous fais un... Oui, c'est peut-être pas idiot. Attendez, je vous fais un sondage rapide. Je vous fais un sondage rapide en 30 secondes. Bougez pas. Pourquoi j'ai l'interface complètement déglinguée de mon... Attendez... ne bougez pas, excusez-moi. Je me fourvoie dans toutes ces interfaces. Voilà, petit sondage très rapide. Retour tableau mystère. Et puis, votre sentiment. Oui, non, ou... sans avis. Vous êtes droit aussi d'être sans avis. Allez, vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour voter. Ah, tu l'as fait. Ah, tu l'as fait, merci. Parce qu'il est en train de me dire, erreur, le sondage est actuellement en cours. T'es un chef, merci, Falfad. T'es un chef. Ah, je vois qu'il y a 8 noms. Ok. Tac. Je me perds dans mon interface. Ah, Bob, t'es pour. Ok.
Ouais, vu que tu ne sais pas là, c'est pas faux. C'est là où il va arriver en un quart d'heure chrono, c'est tu vas flipper. J'ai mis que oui ou non. C'est pas grave, fun fan, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, alors vous voulez le retour. Non, je vois que vous voulez le retour du. Effectivement, ok, Doki. Bon, allez, je reprends ma partie, ça n'empêche pas de jouer. Attends. Ah oui, ça va monter, ok, je suis un étage intermédiaire. Ok. Wow. Merde. Dac. Ah, la bonne blague. Il est un peu nigaud le mec de regarder le coin. Pour un militaire, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Attends, j'étais là, je crois. Oui, j'étais là. Message de FunFan 1992. Résultat 4 oui et 1 non pour le TM. Ok. Donc à moins 10, je lance le tableau mystère. Mais je vous avoue, je sais plus du tout où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'était arrêté avec un tableau qui était fumé par Funsen ou pas. Je présume que oui, mais. Voilà, cette ascension. Voilà, le tournis. Au secours. Ah! J'en peux plus. petite charge électrique ou je me fais bien allumer là? Non, ça a l'air de passer. Ah non, j'ai pris un peu. J'aurais peut-être dû accélérer, effectivement. Oh merde! Merde, non, je voulais pas quitter le. Oh là là là. Je me trompe de touche. Ok. Ah oui, non, le lien avec le tableau mystère, je l'ai plus. Donc il faut que j'aille dans mon. Faudrait que je mette la caméra à pleine face, que vous voyez pas mes manip, parce que sinon vous allez voir ma réponse. Ah, je crois savoir qu'il faille se baisser. Sorti quand je sautais par-dessus le. Voilà. Ah. Et voilà la malédiction du tableau mystère. C'est une scène et. À l'autre bout de la terre, il l'entend, il se connecte. Voilà, c'est. Cherchez même pas, c'est. Ah, les bonnes celles-là. Ah, Bob, il doit être vert. Bonsoir, tu ne sais. Enfin, bonsoir, c'est l'heure du goûter. Bonjour plutôt. Elle est bien bonne. C'est ça, avec les oreilles bioniques. Ah, même Eddie. Jay, il en revient pas. Ah là là. Oh merde. Merde, le truc va pas mal entamé. Faut que je me baisse, mais un peu tard. Challenge Superman.
Oh, fun fan, je propose qu'on annule le tableau mystère. Mais c'est vrai qu'il y en aura moins maintenant. Je ferai juste le dimanche et puis on fera les bibis le samedi. Mais ça se mettra plus en route vers le 15 août ou voire le 1er septembre. Quand on reviendra dans un rythme plus habituel, annuel. Non, je pense que ce sera l'idéal. Ouais, si, vous allez jouer quand même. Non, ça me permettra, moi, de pas perdre la main au niveau de la gestion du top mystère. Ah, cool, les machines ne m'ont pas eu. Ça, c'est cool. Oh merde! Coucou! Bonjour Christo. Oh merde. J'ai voulu faire mon malin puis au final je me suis fait exploser. J'expliquerai le tableau mystère Christo, t'inquiète pas, quand je vais le remettre en place. Ah vache. La violence. Mec, je pense que je peux le faire magnum là. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Nickel. Ouais, non, c'est bon. Ah si, il y avait un truc. Hop là. On voit qu'apparemment il y a des trucs en dessous. Ah, le jeu à l'écran, c'est Half-Life 1. C'est Half-Life 1. C'est dans 10 minutes une scène, le tableau mystère, dans 10 minutes. Parce que je rendrai l'antenne à FunFan pour 17h. Oh, je me souviens pas de ça. Au voltage. Moi, j'ai qu'à me baisser, non? Oui, ça suffit. Il suffit de se baisser. Si je vais tout droit, il se passe quoi? J'ai un intérêt à aller sur le côté? Ah bah non, je retourne dans les... Bon bah j'ai eu le bon réflexe. Bob Marlock qui dit à FunFan, oui, ben c'est temps, il n'y a plus d'éthique. Si on reçoit MBS à l'Elysée, on peut varier. Pourquoi on peut faire dans le pas éthique, quoi. Ah oui, dans le oui, ok. Ah. Attends. Secteur E, transport de matière B. Et j'ai pas la plateforme. Attends, il faut que je la repasse en haut pour passer du A au B. Oula. Oh non, y a rien dessus. Ah. Ah merde, j'ai un comité d'accueil. Oh là là. Oh, ce comité d'accueil. Po 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 po. Alors là, ça devient très balèze. Merde, il me fait chier. Oula, non, non, non. Ça va pas du tout. Non, non, je suis là. Ça ne va pas du tout. Ah, attention à pas trop parler politique. Attention, parce que c'est un sujet qui peut être polémique. N'oubliez pas que je souhaite garder un état d'esprit jovial et bon enfant dans le canal. Je vous laisse face à vos responsabilités, mais voilà, n'allez pas vous faire une foire d'empoigne. Merci de votre compréhension.
J'ai les casse-bonbons qu'il va falloir que je gère. Vache. Je sais pas si j'ai eu les crabes de tête là qui sont. De toute façon, je sais qu'il y a encore une cochonnerie là-bas. Voilà. Merde, il y en a encore une. You. Débile. Ok, il tire pas sur le. Je sais pas si je peux l'avoir de là. Oh, stylé ce strike. Cool. Mais il y a quoi qui est disponible en France de nos jours? Oui, oui, le coût du vaccin aussi. Ouais. Enfin bon. Ouais, tout ce qui est autour de la pandémie, malheureusement. Ouais. Ah là là. Alors là, faut y aller à pied. Hop 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 hop. Évidemment, comité d'accueil. Ouhouhouhou. Vas-y, pète la caisse pour moi. Oh la vache, ça va. Coucou. Merde, je me suis mangé la grenade. Ah, je me disais bien que la caisse allait. Oh là 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 là, dur. Est-ce que je peux aller à la va-vite? Dur. Ah, je porte vie là, sinon. Oh, il m'a eu, ça va. Oh, 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 il a buté son collègue. C'est sur cette image qu'on va se laisser sur un fly qu'on reprendra une prochaine fois. Allez, je vais faire tout doux la bascule vers le tableau mystère. Alors, attendez voir que je prenne mes repères. Là, déjà, vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan parce qu'il ne faut pas que vous voyez mes réponses quand je vais lancer le tableur. Il faut déjà que je remette la main dessus et je vais me faire un lien sur le bureau pour que j'ai autant d'aisance qu'auparavant. Tableau mystère, voilà, je suis déjà dans le répertoire. Mon pout pout, il est où mon. Ah merde, j'ai pas installé LibreOffice. Je vais essayer de faire ça rapidement, mais il faut que je m'installe LibreOffice. 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 Merdoum. Logiciel LibreOffice. Ta 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 ta. Ah, je l'avais là. Je l'avais là, je l'avais là. 64 bits, ouais. Comme ça. Je vous lis dans le chat le temps que. J'espère que l'installation va pas être trop longue. Une standard, je m'en fous d'install. Créer rien, démarche sur le bureau. Non, pas spécialement. Voilà, si vous voulez me parler, j'ai envie de dire, c'est maintenant. Quoi, depuis le début de la façon officielle, depuis le premier. Ah oui, depuis quand FunFan fait la modération? Bah, depuis que je me suis lancé, en fait. J'ai toujours fait confiance à FunFan. On a très vite fait copain-copain, dès qu'on s'est connu auprès de Franck. Bob dit même à Paris des écolos pour rebaptiser les races super mulots car pour eux le mot race est trop péjoratif. Purée cette équipe de fragiles. Fanfan Vernache, on peut dire que dès que tu as repris le rôle chez Christella, j'ai pris le mien chez le sage.
Non, pas tout à fait, FunFan. Non, c'est antérieur. Non, FunFan, tu étais déjà actif chez moi avant que Nashevman soit justement redevienne le, enfin redevienne, devienne le modérateur de Cristela, puisque Cristela vient de se lancer en plus. Ta 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 ta. Mais si, si, si. Oh, ça joue à quelques mois près. Allez, on va pas chipoter. Ça joue à quelques mois près. Mais ça faisait déjà un paquet de semaines que FunFat faisait la modération chez moi. De toute façon, j'avais démarré une phase bêta sur mon canal secondaire avant d'émettre du canal principal, l'actuel. Parce que j'ai un autre compte, hein, le Cybermatou, là, pour la modération aussi bien chez moi que chez FunFan en route secours. Et c'est bien, je viens de finir l'installation de LibreOffice. On reconnaît les SSD, c'est de la balle. Attendez, j'essaie de remettre la main sur voilà, mon tableau mystère. Je vais me faire un lien sur le bureau. Ça ira beaucoup plus vite les prochaines fois. Voilà. Ah, mais j'ai pas refait la scène du tableau mystère. Merde. Il va falloir que je crée la scène tableau mystère à l'arrache. C'est pas grave. On en était où? On était au 17. Non, personne n'avait joué le 17. Ah si, peut-être dans la liste. Ah, oh, faut que j'aille retrouver la liste. Tu as dit cette phrase que j'ai écrite plus haut. Oui, c'est possible, Folfan. Tac, 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 tac. T'as repris ta casquette une semaine après le départ de Franck. Oui, c'est bien. Oui, merci pour le clip. Merci, merci. Alors attendez, c'est vrai que j'ai pas préparé du tout la scène du tableau mystère, en fait, dans le... Mais d'abord, il faut que je retrouve l'information de vos réponses par rapport au dernier tableau déclaré. Or, oh merde, c'est où le... faut que j'aille dans l'interface de Wisebot. Minute papillon. Vous voyez comme quoi il faut le temps de tisser les trucs. Il y a du boulot dans la coulisse. Hein. Il y a plein plein de trucs à faire. Les listes personnalisées, c'est ça. Tableau mystère, les vainqueurs. Ouais, c'est ça. Oh bah, vous avez du bol, je retrouve rapidement. Vous avez du bol. Merde! Non, c'est pas ça. Attendez. Non distribué. Non, d'accord, mais je veux accéder à la. Il est où le lien? Pourquoi il me donne pas le lien, cet abruti? Il me dit que j'ai une liste de réponses pour le tableau mystère, j'ai pas de. Comment je fais pour accéder à ma liste? Mes listes. Éditer. Et pourquoi il me donne pas le lien? Débloquer l'ensemble des lignes. Non, je m'en fous. Parce que ça fait quoi? Ça me donne pas au contenu accès à ma liste. Merde. Minute papillon, est-ce que je m'étais pas fait une commande du genre TM? Veuillez excuser cette interruption momentanée de votre Non, c'est pas programme. ça. Le sage vous prie de bien vouloir l'excuser, mais se trouve exceptionnellement perturbé en plein direct. Merci de vouloir patienter jusqu'à son retour. Émoticône souriant. N'oubliez pas que vous pouvez jouer dans le T-chat au jeu de la pêche, par exemple, pour vous faire passer le temps. Yep. Oui, vous avez été très sage d'ailleurs hier sur le coup de la promenade. Je m'attendais à ce que certains fassent du GT ou de la pêche. Et personne n'a troublé le chat. C'était très classe de votre part. Ça m'a amusé intérieurement. Je ne l'avais pas dit sur le coup, mais ça m'avait traversé l'esprit. Merde, je sais plus mon lien pour le tableau mystère. J'ai pas l'air débile. Extension Twitch, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, j'étais dans le bon truc, mais les listes personnalisées, mais j'ai pas. Il me donne pas le lien. Ah, c'est. Non, c'est peut-être une branche morte que je voulais développer. J'étais pas satisfait et j'avais rebondi sur autre chose. Interaction peut-être. Event en attente, citation, tirage au sort, giveaway automatique, loterie, abonnement, roller simulateur.
Système de bingo, de paris, de prédictions, de sondages, intelligence artificielle et des jeux. Non, c'est pas ça. Développement et plus. Événements personnalisés. Non, maintenant c'est désactivé, c'est pas ça. J'ai pas fait de la programmation carrément dans le Schmilblick. Merde! Merde, merde, merde. Eh ben, j'ai pas l'air con. Parce que je retrouve pas le. Attendez, je vous lis rapidement dans le chat. Pour pas changer sur le tableau mystère, envoyez des dons. Mais merdoum, je sens qu'on va malencontreusement pas faire le tableau mystère parce que je retrouve pas mon lien des réponses. Si je me provoque moi-même une réponse tableau mystère. Test. Tac, tac, tac. Merde, il me dit que l'enregistrement est pris, mais il me donne pas le lien, moi, en tant que gestionnaire du bordel. Il est des nôtres. Il est en PLS, 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 comme les autres. C'est ça. Attendez voir. J'ai dû me faire une commande en admin privé. Un truc comme ça, ou lien. Tab. Ah, attendez. Je vais y arriver, restons zen. Restons zen. Mes commandes qui sont préfixées par un astérix. C'est réservé à la modération, ça. C'était ma norme à moi. Sauf qu'il n'aime pas qu'il casse le caractère. Merde, fais chier. Y a pas un truc tableau mystère, je sais pas quoi. Règles du jeu. TM, TM. Ah, si. Ah, j'ai fait un truc comme ça. Attends. TM, pas YM. Quoi ? Votre enchantement a bien été pris en compte. Mais non, mais... Ah non, c'est la sous-commande. Ah ! C'est pas le truc pour accéder au... Je passe trop de temps avec le sage, je parle comme lui. Tu déteins sur moi. c'est la transmission. Du coup, ça fait quoi? Configuration. TM, data, alerte sonore. Envoyer un son. Ah, je suis désolé là, je. J'arrive pas à mettre la main dessus. Merde, il m'a fait sauter mon filtre. Envoyer vers mon compte. Il fait transmission. Alors attends. Il fait transmission. Je suis en train de détricoter mon truc pour retrouver transfert de données. Ouais. Et ça fait quoi? Ah, je crois que j'ai trouvé. Je crois que je l'ai retrouvé. Bougez pas. Voilà, autorisé, machin, je suis en train de négocier les droits d'accès. C'est bon, je l'ai retrouvé, excusez-moi. Oh là là, dur. Alors attendez, non, j'avais déclaré tableau 17. Alors le tableau 17, je vais vous l'afficher maintenant. Donc je vais recréer la scène sur OBS. S'il y a un message important, mets-le en vocal, s'il te plaît, fan, parce que je suis perdu dans mes fenêtres, là. Je vais vous générer le tableau mystère, on va dire que c'est la scène T pour tableau mystère. Et il faudra que je vous mette en valeur. Ça arrive, excusez-moi de l'écran noir. C'est... Alors, tableau mystère. Oh mince, il est déjà 17h, excuse-moi, je déborde sur l'horaire. 17h, et c'est le tableau 17. Ah, j'ai pas fait exprès.
Je n'ai pas fait exprès. Normalement, le dernier tableau déclaré, c'était celui-là. Mais je crois que vous aviez trouvé. Ah oui, c'était facile, ça. C'était facile. S'il y en a qui pensent ne pas avoir joué et qui veulent jouer, il faut faire point d'exclamation TM. Mais il faudra que je recompose ma scène. C'est ma faute. Attendez, je regarde un peu le chat, ce que vous dites. Il vaut mieux que l'inverse. Tant de semaines de non-pratique. Ouais. Yes, 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 c'est ça, du click-em, machin. Non, point d'exclamation TM, hein, n'oubliez pas. TM suivi de la réponse. Enfin, là, j'ai mis entre parenthèses, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, ouais. Alors. La vache, vous avez donné une tonne de réponses il y a 22 jours. On y a joué il y a 22 jours. Là, on est le 31-07-22. Alors, qui a dit quoi? Le 17, il est là. J'ai vu un Maniac Mansion qui est une bonne réponse. Donc, vous pouvez plus me donner la réponse Maniac Mansion. Hein. J'ai pas, bon, déjà trouvé, mais... Qui c'est qui m'a dit Maniac Mansion dans le lot? Twinsen. Il y a que Twinsen qui a trouvé le Maniac Mansion. Tiens, c'est bizarre. Ce qui était facile à trouver, on l'a fait ensemble. Enfin, on l'a fait ensemble. Il s'est un peu frotté FunFan dessus. Donc déjà, je lui ai donné 500 points à Twinsen. Donc c'est cadeau Twinsen 500. Les autres bonnes réponses, j'ai vu. Alors, Duke Nukem 3D, j'accepte pas le simple Duke Nukem. Hein. Il fallait préciser 3D parce qu'il y en a plusieurs. Bonne réponse de FunFan de Twinsen. Et de Nashevman. À l'instant, oui, ça va, j'accepte. Ok. Alors, Nashevman a donné la bonne réponse. Ah, je crois que c'est la première fois que je t'inscris dans mon tableau de score. Ça fait plaisir, Nashevman. Bienvenue à toi dans le jeu du tableau mystère. Duke 3D, oui, non, je me comprends. Donc, il y avait FunFan qui avait bien répondu. Et il y avait forcément Twinset qui avait bien répondu. Alors, faut que je vous donne respectivement vos 500 points. Donc, la récompense, c'est des points de chaîne. Hein. Vous l'aurez compris. Alors, Nashevman, il a ses 500 premiers points. Vient ensuite Twinsen qui aura nouveau. Alors, je vais faire FunFan. Voilà. Et je vais réexécuter la commande pour Twinsen. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça, c'est fait. La suite. J'ai vu. Quoi comme bonne réponse? Alors attendez, ça je sucre. Tac. J'essaye de purger un peu la liste que je puisse me retrouver. Heureusement qu'individuellement je peux faire sauter les réponses. Alors j'ai vu quelque chose. Oui, j'ai vu une bonne réponse. Alors à partir de maintenant je ne l'accepte plus. Il fallait me répondre Monkey Island 2. Eh ben c'est simple, il n'y a que Twinsen qui l'a trouvé, le Monkey Island 2. Twinsen a trouvé Monkey Island. Voilà, le tac, 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 tac. Que je donne encore 500 à Twinsen. On va faire... excuse-moi, je déborde un peu sur ton horaire, mon pauvre FunFan. Voilà, tac, 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 tac. Je me mets rapidement en ordre de marche. Ensuite, oh, la réponse que j'ai vue me plaît bien. Surtout que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. La réponse me plaît bien, mais apparemment, c'est pas la bonne. Ah, c'est ballot, dommage. Tu m'as fait une réponse qui n'était pas la bonne. Tu me parlais de Brick Blaster. Oui, bonne réponse de Froboze. Bonne réponse de Froboze. Bonne réponse d'EJ. Frobos et Edja ont donné la bonne réponse. Il y a Interstate 76. Bien vu.
Frobos et Edge, bonne réponse. Tagada, gada, gada. Donc, il y a Edge, il y a Frobos. Alors, je vous donne 500 chacun. Alors, ça va devenir Nain Honnête pour... Merde. Alors là, j'ai mon interface qui est en panique. Nayonet. J'espère que je me plante pas. Oui, normalement c'est bon. J'espère que ça a bien crédité le bon compte. Edge, ça va être plus facile parce que... Voilà, il est encore actif sur le chat. Donc je peux facilement compléter avec l'espace. Que je purge un peu la liste. Alors, les réponses là étaient bonnes. Ah, il existe le 82, mais c'était effectivement le 76. Mais c'était bien essayé. Alors, je vois une autre réponse. Est-ce une bonne réponse? Oui, une bonne réponse de Twinsen. Allez, je vais être gentil avec Bob. Je vais lui accorder la bonne réponse. C'est bien parce que je suis mou du genou à la reprise. Kickoff 98 pour Twinsen. Bon, Bob avait pas précisé 98, mais je vais être gentil. C'est vraiment parce que c'est la reprise. Je vais pas faire mon chiant. Kickoff 98. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, faut que je donne 500 à Bob Morlock et 500 à Twinsen une nouvelle fois. Mais Twinsen, il est habitué à engranger les points et à faire un carnage. Au niveau du score, Bob. Il me manque Bob. Voilà, là, c'est fait. Oui, tu n'es pas censé faire un live sur la base, mais enfin, même quand même. C'est la liste en bas à droite. Oui, Twinsen. Alors, suite de... De la remontée des réponses. Ouais, c'est fait. Alors, je vois une autre réponse qui me plaît bien. Ouais, bonne réponse de Twinsen. Bonne réponse d'EJ. Effectivement, j'attendais la réponse d'X-Ball. Alors, Merdoum, je suis en train de voir que j'ai plus assez de... Voilà. Twinsen, Edge, ça va me faire des stats de score de fou. DX Ball que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les caisses briques. Pour ceux qui ne le savaient pas, tout hasard, je vous le dis. D'ailleurs, il faudra que je reprenne mon caisse briques sur PlayStation. Le, dont j'ai oublié le nom, je l'aime bien. Il n'est pas évident. Hein. Il semble babacool au premier abord, mais. Il est relevé. Allez, encore Twinsen, encore un coup Edge. Allez-y. Ah, t'avais confondu avec Blaster. Ouais, fan. Dommage. Hein. Ah ouais, c'est traître. Mais c'était bien tenté de ta part. C'était bien tenté de ta part. Où il y a du Monkey Island, nous dit Bob. Le Monkey Island... Attends, je vais remater mon image que je vous envoie. Le Monkey Island, il est en bas à droite. C'est glissé subtilement dans l'interface inventaire de Duke Nukem. En fait, c'est le petit parchemin. Il est là, le Monkey Island. Faut se méfier avec mes tableaux mystères. Hein. Je fais délibérément des montages vicieux par moment. Le plus simple, c'est juste 4 images balancées à l'écran. Mais parfois, je fais des montages vicieux. Sinon, c'est pas drôle. Alors, vous me donnez d'autres réponses. Alors, j'ai vu un Roger Rabbit de Raskar Kapak. Non. Mon test, je le vire. Il reste deux réponses. Non. Bob, tu m'as parlé d'un Zach McCracken. C'est pas le cas. Et Brick Blaster de FunFan qui est pas bon. Alors attends, je relis mes réponses. Est-ce que vous avez tout trouvé? Oui, vous avez tout trouvé. Donc le tableau 17 est fumé. Donc je fais un rapide tirage d'un autre. D'un autre tableau. Qu'est-ce que je vais vous mettre Qu'est-ce que je vais vous choisir? Attendez, je remets la date du jour pour le suivant. Tac, 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 tac. Alors, préparez-vous dans les starting blocks. Qu'est-ce que je vous ai pas mis encore comme tableau? On l'avait fait celui-là, je crois.
Encore que j'ai un doute. Est-ce qu'on avait fait le 55 par le passé? Oui, on l'avait fait. Ah, on l'avait fait assez récemment, merde. C'est con que je m'en sois pas souvenu. On l'avait fait celui-là. Il me reste à peu près la moitié de mes tableaux qui n'ont pas été trouvés encore. J'en ai une trentaine, je crois, sous la main. Celui-là, on l'avait fait. Ah, attends, est-ce qu'on l'avait fait celui-là? Est-ce qu'on avait fait le numéro 25? Est-ce qu'on avait fait le 25? Je remonte la liste et je le vois pas. On avait fait le 26. Ah, on n'avait pas fait le 25! Attendez, je réinspecte dans l'autre sens ma liste parce que je suis agréablement surpris de me dire qu'on n'a pas fait le 25. Et dedans, il y a une réponse qui me plaît bien d'un jeu où je sais plus si je l'ai, il faudrait que je me le retrouve. Mais je vous en dirai pas plus. Ouh, préparez-vous! Préparez-vous, préparez-vous, on va se faire le 25. Il faudra que je le mette à jour dans l'heure qui suit sur mon Discord parce que je sais que je vais me faire respecter par une scène qui aura qu'une hâte, c'est d'y jouer. Enfin, de hors antenne. Attendez, on va faire le 25. À vos claviers, point d'exclamation, TM. C'est parti! Devinez-moi les jeux qu'il y a là-dedans. Tableau numéro 25, 6 réponses que j'attends de vous. Faut lire le cartouche 0256 comme étant le tableau numéro 25 et 6 réponses. À vos claviers. Alors, je vous laisse jouer. Je ne donne pas les réponses, mauvaises réponses maintenant. Je referai le point dimanche prochain. Voilà. Moi, je vais préparer le raid chez FunFan. N'hésite pas, oui, je vois que tu joues FunFan. Donc, je présume que tu n'as pas lancé ton signal. Mais c'est pas grave, je te laisse jouer un peu. D'ailleurs, il faudrait que j'anticipe ta prise d'antenne. Je vais déjà me connecter à ta chaîne, FunFan. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vais lancer mon. Merci, oui, pour l'hébergement, FunFan, sur ton canal. J'avais même pas fait gaffe. Et merci pour ta modération, l'équipe. Merci pour tout, mon cher FunFan. Voilà, je suis déjà connecté à ton canal. Au moins, je verrai le moment de faire la transition. Bonjour à tous ou Ah oui, bonjour, je c'est ne sais tout de suite, hein, pas, à t'es partir rapide. de 17h, ça fait partie de l'horaire, ou je sais pas, s'il faut dire bonjour ou bonsoir, ça doit dépendre de la Merci à vous saison, toutes et en été toutes on dit d'avoir plutôt été là. bonjour, le soir on dit plutôt Voilà, je programme le raid bonsoir. chez FunFan dans En tout 90 minutes, cas, ça va se bienvenue. faire. Alors, on a une petite nouveauté, vous pouvez voir qu'il y a mon Hop avatar là, Discord, et tout de suite, bonjour tout le prendre la monde chez prochaine FunFan dans émission, le chat. on verra leur On avatar bascule apparaître. dans une minute. Donc, en tout cas, bienvenue à tous. À minute, j'ai écrit. C'était la petite Voilà, nouveauté. Pour ma santé, je vais mieux par rapport à hier. merci à vous toutes d'avoir été Mais là. Je vous souhaite la bonne soirée, la bonne c'est fin de pas encore journée. ça. Moi, je reviens demain en début d'après-midi. La gorge, Normalement, je reviens dans et l'après-midi, je pense en début d'après-midi. Demain matin, je serai Bah, pas j'ai là, un peu j'aurai pas mal à mal la de trucs j'ai à encore faire. un tout petit peu mal à la gorge, mais pour le reste. Voilà, en ce Et qui me je rappelle concerne. que ce stream est en vocale ouverte pour ceux qui Ah, souhaitent c'était cool, venir. merci. Ça m'a fait Donc plaisir de c'est faire comme mon petit ça. moment de Maintenant direct. vous avez double C'était pas mal, FunFan. Vous génial. avez FunFan sur Prenez soin de vous, Discord, bisous, bisous. FunFan ici. Ça va tout naturellement Donc basculer nous, vers nous allons FunFan dans les secondes continuer à le venir, jeu. voilà. Nous Oui, j'ai débordé d'un petit quart d'heure. C'était exceptionnel. Et je vais Donc mettre on était à dans mon Discord, je vais mettre le tableau pour que vous puissiez vous y référer et jouer hors antenne. Voilà, voilà. Récupérer le baril d'ambroisie volé Ciao, par ciao. un canne à clignotant. Alors pourtant, moi j'ai déjà fait le jeu version Merci à PC, vous j'ai d'avoir fait été la là. version PS2. Il y a deux façons de faire. Soit on y va C'est par bien, ça là, joue. soit on y va par Et celui bisous, gauche avec Christella. vert, Bisous, bisous. le passage secret. Bonsoir Bisous tout Bob, à tout le monde. bienvenue. Le C'est pas évident tout, de on fermer va sa y aller chaîne et de pareil avec faire la version l'animation chez PC. l'autre. On va rester en mode infiltration. N'hésite pas, Bob, à me faire un retour pour Merci les l'info. anonymes. Ciao ciao, vous qui regardez sur YouTube, Twitch, sans rien Bonsoir le dire. sage, Merci bonsoir à les vous d'être rêveurs du là. sage.